Naloma, elles sont là. Elles n'ont pas le droit à ça. Elles font quoi puis avoir remis Bokyo. Si elles vont bouloter, elles vont travailler, finir de travailler bien, finir de bien faire les choses de papier, finissent de bien faire les formations, elles finissent qu'elles viennent s'amuser, remuer leur popotin. Il n'y a pas de discours. Mais quand elles seront psychopathes, tant qu'elles seront psychopathes et puis elles vont remuer leur popotin, on va les allumer, ça ne va pas chauffer. Sinon, popotin est là, pourquoi on remue? Mais vous êtes stupides dans la société, on paye l'école, vous ne partez pas. Vous allez vous mettre dans les fumoirs, dans les ghettos, et vous venez là, vous voulez nous servir quoi? À la piscine, nous on s'amuse, nous tous on va à la piscine, on met popotin dans les choses, on remue ça proprement. Tu entends? Tu m'entends bien? Voilà, maintenant tu vas aller en caserne. Tu entends? Voilà. Maintenant, tu es couché. C'est fini. Tu me prends en replay, mais tu me prends sur les autres pages là-bas. Si tu vois les gens coupent mes vidéos là, prends ça là-bas. Voilà. Merci à tout le monde. On va parler de construction matin, les constructions anarchie bizarre. Avant toute chose, je voudrais ici dire toujours à mes petits soeurs et puis à mes petits frères, parce que j'ai plein de témoins, il y a des mamans qui pleurent. Il y a une maman même depuis matin qui est en train de pleurer, depuis hier qui est en train d'essayer de me joindre. Voilà. Parce que j'ai fermé mon téléphone pour dormir. Elle veut le numéro de Mireille Seri par rapport à l'affaire de Gedi. Je vous dis toujours, ça dit qu'elle est déboussolée. Elle est déboussolée, elle pleure. Elle pleure, elle a mal jusqu'à il n'y a pas reste. Elle veut le numéro. Elle veut le numéro de Mireille Seri officiel. Voilà, comme je parle de le numéro direct de Mireille, je lui demande d'aller sur la page de Mireille pour chercher, pour voir. Les vidéos sont là-bas, tous les numéros de Gedi là. Numéro de médicaments de Gedi est là-bas. Voilà, elle va prendre pour appeler Mireille Seri. Les enfants, je vous demande pardon. Quand on vous demande pardon, matin, midi, soir là. Sidi Bey, Ibrahim, quand on vous demande pardon, matin, midi, soir, il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on veut se jouer les intéressantes. Ce n'est pas parce qu'on veut se jouer les nyamorodés. Quand vous voyez souvent, on est là, on danse, on s'amuse, on fait ça pour vous dire qu'on peut. On peut ne pas être fumeuse et cali, on peut ne pas être bouclée, on peut ne pas être prostituée et peut bien vivre sa vie. On peut aller dans un maquis, aller consommer, aller prendre ses 2-3 billes, aller prendre ça. Ça veut dire que le pot qu'on veut, et puis on finit de prendre le pot et puis on rentre chez soi à la maison. Et puis on peut bien s'amuser. Ça veut dire qu'on peut être sexy, chic. On peut être dans les gigants, on peut avoir piercing même, on peut avoir tant. Et puis ne pas être dans les nyamanyama. Ça aussi, vous ne savez pas ça. Je vous en prie, la drogue en train de vous détruire. La drogue, Gedi en train de vous détruire. Parce que je vais coder pour ne pas que ceux-là ils viennent mélanger les gens. Gedi est en train de vous détruire. C'est en train de détruire des familles. Parce que là où ton enfant met sa main dans Gedi, c'est fini. Quand tu as un enfant qui ne fume pas Gedi, il y a comment il est mignon, il y a comment il est intéressant, il y a comment il est bien. Que il y a des petits garçons. Il y a des petits garçons, quand ils ne fument pas, quand ils ne sont pas dans Gedi, il y a comment ils soutiennent les mamans. Ça dit même quand sa maman va en baka. Il y a un bon des petits jeunes au docu ici. Les mamans vont baka vers Sainte-Monique là. Vers Sainte-Monique, l'église Sainte-Monique. Devant une boutique, les mamans vont baka et galette. Va les voir. Tu sais l'enfant qui fume Gedi là, ça ne chauffe pas. L'enfant qui fume Gedi là. Alors, j'ai dit, quand tu le vois en même temps, là, ton apparence même est déjà douteuse. Ton apparence est douteuse à cause des Gedi. Tu n'as pas de place. Mais un enfant t'a mis au monde. Tu as besoin d'avoir une place dans la vie. Tu as besoin de place. Parce que ta mère n'est pas éternelle. Ton père n'est pas éternel. Ta mère et ton père, ils ne sont pas éternels. Ils ne vont pas rester en vie jusqu'à... C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas le jour du... Tu ne connais pas le jour du jour de ta mère. Ta mère ne connaît pas le jour de son jour elle-même. Toi-même, ton jour, le jour de ton jour, elle ne connaît pas. Le jour de ton bonheur, le jour de ta mort, elle ne connaît pas. Et puis, on est là, on vit comme ça. On met tout entre les mains de Dieu. Mais dans ça, tu ne te donnes pas une bonne apparence. Tu consommes Gedi, tu fumes Gedi. Tu penses que demain, si maman n'est pas là, papa n'est pas là, dans quelle société, qui va vouloir te prendre? Qui va t'héberger d'abord? Qui va te garder? Ça dit qu'il faudrait qu'un oncle, une tante ou bien, il faudrait qu'un tuteur te garde. Pour que toi, tu puisses te battre de tes 10 doigts dans la ville. Pour que tu puisses te battre de tes 10 doigts, un jour devenir quelqu'un. Mais sans Gedi. Parce que Gedi, il détruit. Celui qui vous blague, celui qui vous dit que Gedi t'a poté, mettez les cœurs, et puis mettez Bluetooth, ils vont écouter ce que je dis. Celui qui te dit que Gedi, c'est pas bon. Il a dit qu'un seul jour, je vais ouvrir ma bouche pour vous dire, je n'ai pas consommé. Voilà, parce que quand je parle, d'autres disent que c'est parce que tu as goûté. Je n'ai pas consommé. Je n'ai pas consommé.
Greg dit, je n'ai pas consommé, je n'ai pas touché à ça. Mais des personnes proches, au fait, je n'ai pas vu. J'ai pas vu la victoire qu'ils ont eue en fumant ça. Voilà. Je suis déterminée à vous dire non à ça. Parce que ça dit, je vais aller jusqu'au bout. Chaque jour que Dieu va faire, le souffle que ça va me prendre de vous dire non à ça, je vais vous le dire. Quel que soit où Dieu va me déposer, sauf si je n'ai plus le souffle de vie. Même quand je suis au marché, puis je vois ces petits jeunes en train de vendre, en train de nettoyer piment pour les mamans, en train de soulever les bagages de les mamans. Je dépose mon panier, puis je vais à côté, depuis je leur dis. Je dis, petit, comment tu vas? Continue. C'est très bon ce que tu fais avec maman. Il faut aider maman. C'est pas parce que maman n'a pas de fille que tu es enfant garçon. Tu ne peux pas aider maman au marché. Tu ne peux pas aider maman dans ce qu'elle fait. Il y a des petits jeunes, il y a du Odoku ici, là, les mamans vendent bac à galette. Ils sont mignons, mignons comme ça. Ils sont en train d'attacher bac à de leur maman. Ils attachent bouillie là. Maman, elle est en train de taper farine en bas. Elle est en train de mettre dans l'huile. Eux, ils servent. Il y a un qui sert. Il y a un qui sert les galettes. Il y a un qui est là, il attache les sachets. C'est des petits garçons, tu les vois, propres, ils sont. Ça veut dire qu'ils sont tôt, les mamans, elles sont à 5 heures. Mais chaque jour que tu vas, ils sont avec. Ça veut dire que matin très tôt, ils sont là, quand ils vont à l'école, matin vers quelle heure quand tu vas, tu les trouves, ils sont en train de placer. Après là, tu ne les retrouves plus. Ils ne sont plus là. MMGR. Mais quand c'est les vacances là, ça veut dire qu'ils sont, ça veut dire qu'ils sont sur elles. Quand elle finit, ils sont en train de ramasser ses bagages. Ils sont en train de mettre ça dans le brouet pour partir avec. Tu les vois, ils sont pop, pop. Parce que l'enfant qui commence à qui fume Gregi, là, là, il va commencer à voler. Il va commencer à voler l'argent de sa maman. On dit le son a changé, c'est vrai? Le son a changé, tapoté. Le son a changé. C'est comment? Ça fait comment? C'est l'appel là qui fait ça. Écho. Il y a écho. On dit l'appel a changé le son. On coupe pour reprendre ou bien qu'est-ce qu'on fait? C'est bon? Ok. Joanne dit c'est bon. Kone dit c'est bon. Ok, merci. On ne peut pas dire parce qu'on a fait des enfants garçons. Hé, enfants garçons. Il y a des enfants garçons qui sont des petits champions, des meilleurs. Il y a des enfants petits garçons qui sont. Ça dit, on ne peut pas parler seulement de la négativité des petits garçons et puis voir le côté petit garçon en danger. Ça dit que, genre, quand je fais un petit garçon, c'est un danger. Non. Il y a des petits garçons, c'est des anges. Il y a des jeunes. Il y a des garçons. Il y a des enfants garçons là. C'est des biscuits. C'est des croissants. Ça dit, ils sont aux petits soins de leur maman. Ça dit que depuis l'enfant, il a 8 ans, il a 7 ans, il est attentionné, il est à l'écoute de sa maman. À 10 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans, il est avec sa maman, il regarde dans les yeux de sa maman, il écoute sa maman. Il a des amis, mais il n'écoute pas ce que les amis disent. Quand il est avec les amis, c'est pour jouer ballon. Quand il est avec ses amis, c'est pour jouer au scrabble. Quand il est avec ses amis, c'est pour jouer basket. Quand il finit, il rentre. Ce que maman dit, c'est ça. Quand il est avec ses amis, c'est pour aller à la plage. Si maman dit non, la plage, elle ne va pas. Peut-être il y a la saison pluvieuse, il pleut. C'est un peu dangereux, il ne faut pas partir. Il écoute. Il a sa petite amie, sa maman connaît sa petite amie. Sa maman sait avec qui il marche. Sa maman connaît ses amis. Là où il y a les consommations de Gregi, de Vodi et autres, il n'est pas là-bas. Il y a des petits garçons qui font la fierté de leurs parents.
Ça fait que la maman, tu vois, tu la vois au supermarché avec lui. Il a 15 ans, il a 17 ans, il est avec sa maman. Il suit sa maman comme ça. Il épaule sa maman. Il soulage sa maman. Il y a des petits garçons comme ça. Il y a des jeunes garçons comme ça. D'autres même, ils ont 30 ans, ils ont 32 ans, 33 ans. Ils sont au grand marché d'Abobo, derrière les bagages de leur maman. Ils sont en train de soulever les choses de leur maman. Ils sont en train de soulever bagages de sa maman. Sa maman vend poisson fumé. Tu le vois en train de placer les poissons de sa vieille là. En train de mettre. Il est bien grand. Il fume pas gagui. Quand tu vois son allure, l'enfant qui fume gagui, il dit que quand tu fumes gagui là, il y a une étiquette sur toi. Quand vous fumez gagui là, il y a une étiquette et c'est une vilaine étiquette. Je vous demande pardon. C'est un vilain produit qui va vous détruire. Ne me demandez pas comment ça fait pour rentrer. Comment ça rentre. Où c'est quitté. Faut parler depuis là-haut. Ce sont laissez affaire de comment ça fait pour rentrer. Depuis, on n'est pas né. Nous, on n'est pas né. Ta maman n'est pas né. Ton papa n'est pas né. Puis gagui, ça rentre. Tes grands-parents sont pas nés, puis gagui là, ça existe, les gens plantent. Il faut quitter dans comment ça fait pour entrer. On n'est pas dans ce combat-là. Il faut éviter là-bas. Va au KFC, va au Shawarma, va au Gabadrom, là-bas est mieux. Va au Gabadrom, va au KFC. Faut danser, faire des vidéos avec tes camarades propres, chic, lavez-vous. Prenez les petites sucreries planètes. Arrêtez de mettre des conneries dans les planètes pour prendre. Ça vous déforme, ça vous rend sale. Vous sentez, vous avez une vilaine réputation. Vous avez une vilaine image. Quand vous marchez au quartier, quand les gens vous regardent, on a peur de vous. On pense que vous êtes des petits attrapeurs de dames. Pourtant, il n'y a rien dans vos mains. Mais le fait de vous voir en tas comme ça, sale, ça ne rend pas propre. Ça ne te donne pas une bonne identité. Ça fait que ça diminue tes chances. Gagui, ça diminue tes chances. Là où tu as rentré, si tu n'as pas, si tu as ton diplôme, que tu n'es pas encore, ton diplôme n'est pas validé, l'État n'a pas encore validé ton diplôme. Quand il n'y a pas gagui dans ton corps, que tu es jeune, tu as plus de chance dans la société. C'est-à-dire le tonton que tu vas commencer à rouler sa voiture, tu vas arriver à ta maman de faire ton permis de conduire, tu vas apprendre à rouler, tu apprends à rouler, tu peux être le chauffeur d'un tonton au quartier, tu peux être le chauffeur d'une tantie. Mais tu vas rentrer chez la tantie sans que la tantie n'ait de crainte. Parce que pourquoi tu ne te décales pas? Tu n'es pas voleur. Parce que Gagui là, ça t'emmène à devenir un petit voleur. Parce que à chaque fois que tu en manques, tu veux prendre un objet à la maison, aller vendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le décalé là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça t'emmène à prendre des choses à la maison pour vendre. Tu vends tout ce que tu trouves à la maison. Tout ce que tu trouves comme gaz, panne de maman, bijoux de maman, tu vends. Tu te bagarres avec tes soeurs. Tu portes main à tes soeurs. C'est comme ça que tu fais. Je te demande pardon. Petit frère, enfant, jeune fille, ne touche pas à ça. C'est dangereux. Ça détruit. Ça rend misérable. Même ceux qui s'appellent grand type qui fument ça, après ils meurent misérables. Ils meurent sans argent. Parce que là, ils vont signifier. Ils vont prendre ce qu'il y a de plus cher, mais ça vide les comptes bancaires, ça vend les maisons, ça met tout en garant. Tu n'as pas de personnalité. Quand tu es gagiman, c'est moi qui te dis. Peut-être c'est le vendeur qui a une personnalité, mais le consommateur n'a pas de personnalité. Il n'a pas de vie. Ça rend très sale. Ça laisse des mauvaises odeurs à la bouche. Tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un, puis ils vont t'héberger deux jours. Arriver quelque part, tout le monde s'appelle, on dit, il faut méfier. Lui, là, il fume gagui. Il va voler quelque chose là-dessus pour partir. Quel est ton avenir? Quel est ton lendemain? Quelle est ta vie? Maman n'est pas en vie pour éternellement. Papa n'est pas en vie éternellement. Mais c'est le fait que tu ne touches pas à la drogue, à la cigarette, tout ce qui est illégal, vilain, dangereux pour ta jeunesse là. C'est ce qui va t'amener devant, petit. Petite, c'est ce qui va t'amener devant, c'est ce qui va te rendre fort. Même quand l'État n'a pas encore validé tes diplômes. Tu peux faire informatique chez quelqu'un, tu peux aller quelque part, tu vas taper, tu vas être informaticien. Tu es là, tu tapes, parce que pourquoi tu ne voles pas? Toi, tu veux gagner ton pain, avoir ton petit jeton, tu vas aller au restaurant un peu, manger un peu, acheter tes petits habits. Le temps que l'État de Côte d'Ivoire valide tes diplômes, peu importe la personne qui sera assise au pouvoir, le temps que l'État valide tes diplômes, quand je parle de l'État, je ne parle pas de celui X ou Y, je parle de celui qui est assis là. Un matin, on peut te dire que, ah mon petit, coco, viens. Ton diplôme là aujourd'hui c'est validé, tu travailles, tu es admis à tel concours. Là tu es sauvé, là tu es indépendant maintenant. Tu as une assurance, tu es tranquille dans la société, tu ne vas pas aller prendre crédit. Vous ne connaissez pas encore le fumeur de gagui. Même quand il est fonctionnaire d'État, il n'a pas de vie. Quand tu es caliman, quand tu fumes cali, quand tu te décales dans la société, c'est toi tu prends crédit. Tes enfants ne mangent pas.
Malgré que tu es payé peut-être à 200 et quelques mille, mais ton argent ne te suffit pas. Tu te manges chez les Magouya. Tes enfants vivent mal. Tes enfants vivent mal. Le fumet de Gagila, il fait vivre l'enfer à sa famille. C'est pour ça que je vous demande dès maintenant, là, vous êtes jeunes là, ce produit-là, voyez ça louper. C'est une doléance, je vous demande pardon. Ton agent de fonction, là, ça rentre dedans. Tu es là au travail, là-bas, au service, là-bas, pendant que tous tes petits camarades, tes petits amis, tes jeunes camarades comme vous, vous tous êtes dans la même boîte. Chacun se débrouille à se donner un genre. Chacun se défend, chacun a sa petite famille. Jamais tout le monde, on sait que c'est mou, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas facile. La vie est devenue chère. Mais malgré ça, chacun gère son mythe, comme il gère son porte-monnaie d'une manière là. Et puis, personne ne sent qu'en bas, c'est pas bon. C'est dans causerie seulement. Ah, Dieu, c'est chaud, hein, c'est tout. Mais le Gagiman, là, il va aller demander crédit à ses collègues. Il n'a pas honte. Quand tu es décalé, tu n'as pas honte. Tu agis avant de réfléchir. Ça veut dire que tu as fini de faire, c'est gâté, tu as dit que tu fais, et puis c'est après. Tu te rends compte que tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme ça que le Gagiman fonctionne. C'est pour ça que je vous demande pardon matin, midi, soir. Le drogué dans les services, là-bas, il prend crédit, il n'a pas honte. Il n'a pas de réputation, il n'a pas de personnalité. Il prend crédit même auprès du vigile. Gardien même qui le suivait, il s'en demandait crédit là-bas. Il n'a pas de vie, il n'a pas de personnalité. Il s'en fout que ses collègues le critiquent. C'est comme ça fonctionne. Celui qui vous blague. Parce qu'il y a des vieux jeunes. Ils sont déjà sous mon poste, qui sont en train de dire que c'est faux ce qu'on est en train de dire. Il y a des vieux jeunes. Il y a un modèle de grand frère très méchant de l'État. Il vous pousse à ça. Écoutez-moi très bien, les jeunes. Jeunes filles. Il y a les diables bloqués. Jeunes filles. Jeunes garçons. Vous qui dites que non, Gagila, c'est bon. Voilà vos grands frères là, ils sont ici. Voilà. Vos grands frères là, ils sont ici. Les gens qui ne sont pas réalistes là. Ceux qui vous emmènent à fumer ça, ceux qui vous disent que faut tirer, c'est bon. Voilà. Ils sont sous le poste là. Ils vont même signaler. Ils vont noircir. Ceux qui vous disent que non, allons-y prendre Gagi. Que c'est bon mon petit, tu es ice, tu es dans le mouvement, tu n'as pas de temps. Voilà, quand la vie même parle là, tu es... Hey, c'est pas ça la vie. Il te ment. C'est jamais ça la vie. Ça là, c'est un moment. Et puis c'est un petit temps. Tu es sniffé. C'est-à-dire que tu finis de sniffer. Gros, il y a gros mauve dans ton nez. Tu es tout enrhumé, grippé. On met les gens de Sunisite de côté. Excusez-moi. Mais tu es grippé. Tu n'as pas de personnalité. C'est comme ça fait. Tu es tout en ton nénélé, tout en. C'est-à-dire que c'est debout. Surtout quand tu es mousseau. En bas là, c'est beau pour le comme ça, c'est debout. Tu as dit levé, ils ont mis galet dedans. Tout le monde, quand on dit piscine, tu veux partir. C'est un gros excitant que vous voyez là. Quand on parle, quand il commence, il dit j'ai pas fumé. Mais des personnes proches qui ont fumé, à qui ça détruit la vie. Un seul jour, j'ai pas encore cette force de vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez dire ah. Ah, ça cause ça chaque jour là. Elle parle de Gagi là. Et je l'ai bloqué. Choco, j'ai bloqué ça. Voilà. Attends, y a regardé. Attends. Voilà. Ceux qui gâtent les enfants, ils sont sous le poste ici. Voilà.
Voilà. Parole vivante, merci. Voilà. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de bien vous expliquer comment ça fait. Il dit que ça s'attaque même au système nerveux. Moi, il n'est pas vu. Il n'est pas vu. Il n'est pas vu qui ça fait bien. Moi, on était petit au quartier, on va après. Là. Il y a des mères, même des femmes même qui viennent. Et disent, toi, tu sais tout. Il y a combien de fruits folles. Tu te sens pas bien? Tu te sens pas bien? Toi, tu sais tout. Ça veut dire que la gueule est en train de gâter la jeunesse. Les enfants sont mal fous. Fous folles dehors là-bas. Kiki gratte. En bas, gratte. Ils sont dehors là. Ils sont en train de se gratter. Ils mettent les petits trucs dans la bouteille. Ils se promènent ça. Ils se mélangent. Ça dit que ça, là, même si on dit que chaque matin, chaque maman doit prendre son micro. Dans ça, là, pour dire oh, pardonnez les enfants, non à ça. Ça doit être notre combat, nous tous, nous les mamans, là. Parce qu'aucune mère n'est à l'abri. Aucune mère n'est à l'abri. Nous tous qui encore avons les enfants petits, petits là, c'est pas notre souhait, on touche du bois, mais personne n'est à l'abri. Parce que c'est la compagnie qui gagne, gâte. Compagnie est dehors, compagnie, mauvaise compagnie est dehors là-bas, et puis ça nyamine les enfants. Donc chaque jour que Dieu fait, si chacun peut prendre parole comme ça un peu pour dire pardonner les enfants à cause de Dieu, ça détruit, c'est pas bon. Mettez les cœurs, sentez les faits noirs. Ça, c'est notre combat qui est là. Vous devez venir t'asseoir là parce que vous êtes des grandes jalouses où vous êtes là. Vous êtes tellement jalouses de moi. Oui, oui, oui. Plein de femmes, quand tu les vois, on coupe une de mes vidéos, on met sur les pages là-bas. Elles ont mal de me voir. Elles ont très mal. C'est elle qui se prend. Elle veut dire qu'elle connaît tout. Je vois vos commentaires, puis je bloque. Ça veut dire que sur une autre page là-bas, on a mis ma vidéo là. Je te bloque là-bas. Tu n'as plus accès à moi. Mais tu prends un autre profil encore, puis vous venez. Tu n'aimes pas, tu fais quoi là? Tu ne me supportes pas. Et quand on met mes vidéos quelque part, elles vont là-bas. Cette vendeuse de placali là. Je ne sais pas si dans les villages là-bas, la vente placali là, c'est sorcellerie. Hein? Je ne sais pas si chez vous là, la vente de placali, restauration là, c'est sorcellerie. C'est ça, c'est sorcellerie dans votre village là-bas. Quand on dit une femme vend placali, ça dit c'est la sorcellerie. Va vaquer à tes occupations, quand elle vend ses placali là, laisse derrière ses mamites là-bas. Avec eux, on dirait vendre des placali, on dirait c'est ça qui est gueule, on dirait une femme qui a fumoir. Ça dit là où les côtés là-bas disjonctés là, ça disjoncte pas. C'est quand moi-même me vois comme ça en action là, elles sont disjonctées en même temps, elles veulent des gawas de votre état. Je vous appelle à là-bas ici, bande de gawas de Sao Paulo, de Sapralo. Voilà, des femmes frustrées, coincées dans les peaux. Qu'elles me voient d'un petit giga, même elles ont mal. Celle-là dit quoi? Oh, elle veut dire quoi même? Elle dit rien. Elle dit elle vend placali au plateau de Cujo béton. Très doux, bien fait. Samedi, dimanche. Après ça, laquelle est là, elle se met bien. Elle n'a pas le temps, elle n'est pas coincée. Voilà. Des goûts très frustrés. Elle porte ses baskets. Est-ce que vous portez basket? Vous ne portez pas basket. Quand vous portez basket, c'est penché. On ne vous dit pas ça? Quand vous partez payer crêpe là, crêpe là est penchée. Des Sao Paulo comme ça, vous parlez à qui? Même crêpe dans Yougou, on s'en fouille là. Moi, je m'arrête et puis je fouille bien. Puis je regarde ce qui est bien placé. Ce qui est encore bien frais là. Là, quand je mets mon pied dedans là, c'est bien positionné. Elles sont en prend, même dans Yougou encore, quand on a arrêté là-bas, elles sont fouillées. Elles sont en prend gros crêpe comme ça. Gros crêpe, quand elles mettent les pieds dedans là, les pieds là arrêtés, on dirait qu'elles sont dans l'eau. On dirait un bois, on a fait arrêter dans l'eau comme ça. Vous parlez à qui? Je vais fouiller le peuple là dans Yougou. Quand tu portes, il y a porté la terre, tu dis que ce n'est pas dans Yougou, il y a fouillé toi. Il y a moi des Sao Paulo comme ça. Vous êtes jalouse même comme ça. Ça vous fatigue, ça vous fait mal. Quand il dit Emma Lolo même là, elle veut mourir. Emma, tu penses que Emma est là pour toi? Emma est là pour qui? Emma est là pour vous? Bande de Sao Paulo. Emma, est-ce que Emma même vous connaît? Moi, Emma me connaît.
Emma vous connaît? Emma me connaît. Vous avez mal. Emma Lolo, elle me connaît. Emma Lolo sait que je suis sa grande chérie. On a un patron amoureux qui a fait appel vidéo ici. Hein? Elles ont mal quand je dis Emma Lolo, Emma Lolo. Regardez là, tu penses que Emma va venir chez toi là-bas? Une repère comme ça, tu penses que quoi? Elle vient, vient pas. C'est ma Lolo Chou, elle me connaît. Elle vient, vient pas, je vends. Vous n'avez pas encore compris la partie là. Des kawas. C'est moi qui vous dis ça. Vous attrapez les sacs. Les sacs à main, c'est gratté. Vous êtes dedans. Vous portez colon, c'est percé. Vraiment des kawas, vous parlez à qui? Vous portez colon, c'est percé. Colon est gratté. Il y a poil qui sort dessus. Malgré ça, vous êtes dedans. Vous vous dites que vous êtes fonctionnaire. Vous êtes des commerçantes. Vous êtes des grandes dames. Bande de broussades comme ça. Vous portez les peuples à se pencher. Vous parlez à qui? Donc, du coup, quand vous voyez une belle go comme moi, une restauratrice en plus de quoi, une dame qui n'est pas dans un bureau, mais pata de chez pata, mignonne de chez mignonne, du coup, elles vont écrire leurs gros français à vous parce que j'ai quoi à foutre avec. Vos français, vous écrivez l'on lettre là. Elle pense que quoi? Oh là là! Bougez là! Bougez! Bande de gawaz! Attends, elle met un peu de maquillage. Ah, tu ne me connais pas encore arrivé sur le poste depuis là? Diane! Elle ne sait même pas mettre rouge à lèvres. Quand elle met rouge à lèvres là, ça déborde. Ça ne sort pas ici. Il y a dagbe, il y a mof dans les nez. Regardez-moi ça! Vraiment de gnata comme ça là. Souvent me voit dans les petits trucs. C'est pas coûteux. Mais je suis mignon yéga. Souvent mes patakous là, c'est les patakous de 2000. Les patakous 2000, mais les patakous 3000. Quand il y a ça, il voit un t-shirt dans vite là-bas, il prend, il conditionne. Il conditionne ça. Quand il conditionne, quand tu regardes là, tu dis oh là, l'américaine. La fille de Joe Biden arrive. Il n'y a pas tant. Il y a des sous. Sounakari comme ça là. Des gosses Sao Paulo comme ça. Vous parlez à qui? Donc souffrez. Souffrez. Souffrez est mal. Je prends ma brosse. Regardez-moi des gawas comme ça. À chaque fois, vous allez là, me fafouillasser dans les directs sous prétexte que vous êtes allé à l'école. Vous êtes allé. Regardez-moi ça. On vous a dit, j'ai fait un concours de bac avec vous. Vous des gamins comme ça qui ne faites pas pédicure manucure. Hein? Vous êtes là en bas de vos pieds, là, sont loulous comme ça. Pourtant, pédicure manucure, c'est 1000 francs, 2000 aujourd'hui. Au lieu d'aller gratter en bas de vos pieds, vos ongles là sont pourris, pourris, sales, sales. Et c'est moi là. C'est moi là. C'est moi là, UDM, UDM de docu. Moi, je suis UDM de docu. Une tête de redire de docu, c'est-à-dire que ça ne sort pas. Moi, je suis la UDM de docu. C'est moi et ma Lolo. C'est moi là et ma Lolo. Mes petites soeurs, elles ne les voient pas encore. Elles ne sont pas sous le poste. Je suis une américaine. Puis j'ai un bon bocheur. Si ma petite soeur est sous le poste, c'est un témoin. Ah ouais, tu m'as dormi, elle est où? Diane. Regarde-moi ça. Diane, agro-business. On parle comme ça, mais il y a agro-business qui nous attend derrière. Moi, je suis ma Lolo du docuit. Et ma Lolo, elle me répond. La petite soeur d'Emma Lolo, là, c'est seule. Elle vient manger là-bas. Elle vient me soutenir. Elle vient. Vous parlez à qui? Regardez-moi ça. Je vous allumer maintenant comme ça en live. Je vous clasher très mal. Les gawas, là. Lui, c'est moi, elle dit ça. Elles sont des braises à cause de moi. Vous avez la force de vous affirmer maintenant. Vous êtes là, les go coincés comme ça. Vous étiez assis coincés là-bas, assis sur vos portables. Vous ne savez même pas comment on se déhanche. Je vous montre maintenant comment on se déhanche, comment on se casse-casse, comment on fait la restauration, comment il faut développer son business, comment il faut montrer son business sur les réseaux. Aujourd'hui, vous êtes parti dire à vos cousines paternelles, tout le temps, on va vendre placali, des batates comme ça. Vous quittez les pistes, c'est vous qui voulez venir m'insulter. Sous les posts, quand on me met sur mes vidéos là-bas, vous coupez mes vidéos pour aller, et puis vous allez m'insulter. Vous insultez qui? Il y a mon sergo Jankal là. Il y a mon sergo. Hein? Hein? Il y a mon ça. Quand il y a comme ça, la main, donc, il y a un beau fonctionnaire.
Elles sont fonctionnaires, mais elles sont gawas. Très gawas de l'État. De go moribond comme ça, là. Hein? L'État vous paye, vous êtes à assurance, tout ça, là. Vous êtes gawas. Les pantalons penchés, les chemises bizarres. Moi, il me sape. Si il paye, il me plie ça comme ça. Il porte une chemise, il casse les manches. Il met ma culotte, il me poissonne. Je suis prête, dans la... je suis prête quand il m'habille. Plus jamais. Hein? Arrangez-vous pour aller au travail. Vous êtes jalouse de vos camarades au travail là-bas. Arrangez-vous bien là-bas pour aller au bureau. Nettoyez-vous. Enlevez mob dans vos narines là-bas. Vos yeux là, nettoyez dedans un peu seulement quand vous êtes là. Là. Faites comme ça. Vous voyez, souvent les yeux s'achillent. Enlevez les pattes dans vos yeux. Dans le nez là, souvent il y a les trucs. Prenez portable, puis vous regardez pour voir s'il n'y a pas les trucs. Quand les poils la poussent un peu, la coupez un peu, nettoyez un peu. Bande de Sao Paulo. La construction là. C'est moi et ma Lolo de Docu, ça ne chauffe pas. Emma sait. Emma sait. Mais je prends même qu'elle a, il sait. Aïe. Moi et l'ange. J'allais faire mal, c'est que pour c'est quoi, on ne sait pas, on t'attend. Allez me citer encore dans, sous les trucs là-bas. Je vous allume, puis je me moque de vous, et puis je rire, puis ça ne chauffe pas. Donc, comme ça, les constructions, j'ai tagué le ministère de la Constitution. On va rentrer maintenant. On va rentrer en zone de turbulence. Moi et l'Angèle, mon grand frère chéri, mon grand frère de tout le temps, tu as marié la petite Fina. Tu l'as mariée, la petite qui parle beaucoup là. Vous avez fait mariage. On vient ce clip. Ah. Construction bizarre, bizarre, bidon. Construction, vous faites aujourd'hui. J'ai appelé, j'ai tagué le ministère de la. J'ai tagué le ministère de la. Construction. J'ai tagué le ministère de construction là. Excusez-moi, un CP1, un CP2. C'est ça qui leur fait mal là. Voilà, on va aller attacher vos ceintures de sécurité. L'avion va décoller tout à l'heure. Est-ce la go douanière est là pour voir comment l'avion va décoller? La go qui travaille à l'aéroport là. Il faut regarder comment l'avion va décoller tout à l'heure. Hein? Construction bidon, on dit non, c'est inquiétant, en train de creuser à côté et puis tapoter. Tapoter fort, ça a trouvé les gens qui construisent maison là, ceux à qui déjà, qui sont déjà prêts pour construire là. Tapoter, ça a les trouver là-bas. Tapoter, ça a les trouver où ils sont. Tapoter, il y a tagué le ministère. Tapoter l'écran. Bah, ça, c'est une vilaine explication, mais ils sont en train de donner. Non, c'est quelqu'un qui est en train de creuser trou à côté. C'est lui qui sait. Il creuse trou comment? Il creuse trou comment? À côté d'un bâtiment, il creuse trou. Ça veut dire qu'il se croit tout permis. Hein? Quand c'est pour venir déloger les gens qui sont là, qui ont fait les choses bien placées, structurées, bien placées, où il n'y a pas trop de problèmes, il reste un peu seulement, il va avoir son ACD, il reste un peu, il va avoir son petit papier. Quand c'est pour chauffer ces personnes-là, vous êtes les premiers. Mais des gens se permettent comme ça, en ville comme ça, en pleine ville comme ça. Ils se permettent de faire des constructions toy boy. Surtout les liboules là. Les liboules là, voilà, ça eux-mêmes là, ils sont prêts. Constitution Toy Boy, numéro 1 dans Toy Boy, eux et puis les choses là, les maras là. Les maras et puis les liboules là. Voilà deux peuples qui ont fini à construire. Ils commencent l'immeuble tout de suite là. Demain matin, l'immeuble est fini. Ça veut dire quoi? Le ministère de la Constitution est où? Hein? Le ministère de la Constitution est où? Et puis ça se passe comme ça. Là. Le ministère de la Constitution est où? Et puis les gens se permettent de faire n'importe quoi de manière anarchique comme ça. Maison où les gens vont dormir dedans. Soit si les maisons ne sont pas pourries. Soit si l'humidité ne tue pas les gens. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est effondré. Ça, c'est un immeuble qui est descendu, qui est effondré. Mais il y a des immeubles même qui sont placés comme ça. Là. Dedans, là, ce n'est pas possible. C'est fissuré. Si ce n'est pas fissuré, il y a l'humidité qui est carrément... Ça veut dire que c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ça veut dire que le gars finit de faire une maison, un bâtiment joli comme ça. Mais il faut rentrer à l'intérieur. L'humidité qui est dedans là, c'est pas possible. Parce que pourquoi le ciment n'a pas été ça? Ils ont pris le sable. Le ciment n'est pas bon, les briques sont pas bons, les fers sont pas bons. Hein? Il n'y a pas un contrôle autour de ça?
avec des prix, je ne sais pas, des prix élevés, des gens qui ne respectent même pas ce qu'on dit, l'État dit, l'État demande combien de mois de caution. Mais eux, ils ne respectent pas ça. Toujours, ils sont là à demander des cautions élevées dans des maisons pourries. Oui, des maisons très pourries, remplies d'humidité. Vous voyez des bâtiments jolis, jolis comme ça, quand tu rentres dedans à l'intérieur, là, c'est pas possible. Les gens sont coincés, ils sont obligés de rester dedans. Sortez de là, hein. Sortez de là, ne dites pas que vous êtes coincé. Allez faire tontine, allez faire agro-business. Vous allez aller chercher maison ailleurs. Quittez dans les choses comme ça, la maison pourrie là. Humidité là, ça donne maladie. Humidité là, ça donne maladie aux enfants. Humidité partout. Avec des tuyaux mal carabinés. D'autres passent en haut, d'autres passent dans les chambres. Il y a des tuyaux même, tu vois, dans les maisons. Des constructions à bidonville comme ça. Où sont ceux qui sont les contrôleurs de ça là? Qui fait contrôle de ça? Et puis, à chaque minute, ils sont là, ils mettent la population en danger. Un immeuble se croule comme ça. Il y a des gens dedans, il y a des vies dedans. Aujourd'hui, la vie qui est devenue compliquée comme ça. La vie est compliquée aujourd'hui. Qui va s'occuper de l'enfant de l'autre? La maman allait travailler, net, la caissière, elle allait travailler. Hein? Elle allait travailler, elle reste là-bas. Son enfant de 5 ans, de 4 ans, de 10 ans à la maison. Qui va s'occuper de son enfant? Il n'est pas l'heure de la mort, et puis vous anticipez les morts. Qu'est-ce qui ne va pas à ça? Qu'est-ce qui ne va pas à ça? Le ministère de la Constitution, déboussez-vous, hein. C'est trop lent. C'est lent même. C'est lent. C'est très lent. Ils se croient tout permis. Oui, les gens se croient tout permis. Personne ne doit se croire tout permis. Pourquoi c'est nous, rapidement, quand les gens qui n'ont pas encore eu de problème, l'étude d'ACD, quoi de construction, là. Quand les gens commencent en même temps, tu commences à mettre tout en même temps, là. Vous venez en même temps. Vous commencez à envoyer les gens. Non. Vous ne devez pas commencer à faire ce temps. Sinon, on va venir bloquer, on va venir faire temps, on va venir arrêter. Mais est-ce ceux qui ont l'agrément, qui ont tout, je ne sais pas s'ils ont quel agrément, et puis ils prennent des produits bizarres pour construire les maisons là. Est-ce que quand ils commencent la construction là, il y a un contrôle qui se fait? Toujours nous, on dit ça, c'est des choses qui ne doivent pas chauffer. Moi, je dis la santé, l'école là. C'est des choses, ce n'est pas négociable. C'est des choses, il y a des trucs où on peut faire business, mais ce qui est construction. L'école, la santé, là, c'est des choses, c'est pas négociable, c'est des choses, on ne joue pas, on ne doit pas jouer avec. C'est des choses, on ne doit pas jouer avec. Hein? Ils construisent aujourd'hui, non pas seulement les maisons sont serrées, coincées, des petites maisons comme ça, à des prix, je ne sais pas possible. Sans penser même aux personnes qui vont venir louer. Ce n'est pas le problème. À n'importe quel carrefour, tu vois net, il monte un bâtiment, il a fini le bâtiment. Il met les magasins en location en haut, il met les trucs en bas. Tu vois, ils mettent la peinture rapidement, tu vois les couleurs là, marron, gris, joli, orange là. Tu penses que ces maisons, gars, c'est n'importe quoi. Quand ils ont commencé à casser là, c'est là on a vu certains bâtiments qu'il y a des fers là même là. Les petits fers qu'on peut prendre pour faire un petit conteneur là, c'est ces fers là les gens prennent et puis ils mettent dans les bâtiments. En ce moment, le ministère de la Construction, les contrôleurs là, où ils sont? De toute façon, on envoie les gens de l'Amérique quand des petites femmes sont en train de faire leur commerce, des petites femmes sont en train de se défendre dans les magasins. Quand les femmes sont en train de vendre leurs boubous, elles sont chercher leurs boubous pour venir vendre. Elles quittent à Lomé avec elles vont vendre un peu. La mairie vient, on demande pardon à la mairie, à cause de Dieu, pardon. C'est un mois en douane, non, on va payer. Et puis la mairie est gaurie, voiture garée, la mairie veut ramasser les bagages, les casques des femmes pour aller à ça là. Les mêmes contrôleurs comme ça là, où sont-ils quand ces gens sont en train de mettre la vie des gens en danger? Où ils sont? De la manière que la mairie sort, la légende d'impôts, ils sortent là. Mettant midi soit devant les grands magasins des dames. Nos magasins, là, un peu seulement là. Venez payer. Si vous n'avez pas payé, on va fermer. Aujourd'hui, il y a des magasins même qui sont fermés. Il y a croix dessus fermés. Parce que là, ils sont en train de négocier pour dire pardon. Personne n'est prêt à les écouter. Mais ceux qui font des constructions anarchiques, des productions bidons comme ça là, des vilaines constructions dans le pays là, chacun s'arrête à son carrefour. Il fait monter son bâtiment. Il fait des vilaines choses, il monte un immeuble en deux semaines. Il n'y a personne pour contrôler les fers, il n'y a personne pour contrôler les ciments et autres. Si on envoie quelqu'un pour venir contrôler, lui, il va venir chercher son mangement et puis la population est en danger. Les gens qui sont tombés en bas là-bas, qui pourra ramener leur vie? Hein? La caissière qui est partie hier comme ça, là, qu'est-ce qui peut ramener la vie de cette femme-là? Qui va prendre la vie de son enfant en compte? Qui va consoler sa mère et son père? Personne. Est-ce que c'est la première fois? Nous, on a fait des loups directs sur TikTok, sur Facebook là-bas, pour parler sur ça là. Ceux qui me suivent des années sur des années, quand vous allez aller sur mon Facebook là-bas, c'est des directs que je fais chaque fois que le matin, quand il me réveille, je mets à allumer la télé sur ça.
Mais est-ce qu'il y a eu une solution? Quand tu regardes l'immeuble, la même façon, ça a été rapide, ça a été prêt là. Les Libous et puis les Maras là. Voilà un peuple qui aime vite construit. Vous aussi, vous êtes assis là, vous n'allez pas tapoter. Vous n'allez pas mettre cadeau, rien, tapotage aussi, rien. C'est love, c'est novela. Si vous avez eu comme ça, vous venez s'asseoir, comme si c'est devant vos copines, vous êtes assis. Qui est votre gars ici? Tapoter, et quand vous allez tapoter, moi je ne vais pas vous tapoter. Vous mettez baouin, il n'y a pas baouin, il n'y a pas tapotage, rien. Vous êtes assis comme ça pour venir regarder les gens. Vous n'avez pas vos cousines paternelles là-bas pour les regarder. Aïe! Il n'y a pas baouin, il n'y a rien. Sommeil dans les yeux. Regarde langoureusement, ils sont là. Ils ne vont pas agir. Hein? Diane, toi tu t'apportes pas, tu es là-bas? Je ne vois même pas mes parents même. Ouais, c'est joli seulement, je vois. Ouais, chose. Amissa la douce. Maintenant, mais ceux qui ne t'apportent pas, mais je vais commencer à bloquer même. Tu viens, tu t'assois, tu me regardes là. Canini, toi tu me. Ah, ma petite mère, là, elle bataille, elle me fait les choses. Hein? Comment quelqu'un est là, on dit bâtiment à côté ici, c'est qu'il est en train de faire là, ça a fait danger. Ce qu'il est en train de creuser à côté là, ça a créé danger. Ça dit le propriétaire n'est pas inquiété. Ça veut dire que tu sais que ce que ton voisin est en train de faire là, ça a fait danger. Ça va atteindre à la vie de ton faux bâtiment que tu as construit, qui n'est pas solide, qui n'a pas de choses là, qui a fait tremblement de terre là. Tu sais que ça va agir. Tu ne te précipites pas rapidement pour aller prendre la police ou même la gendarmerie pour dire stop à ce qu'il est en train de faire là. Nadine, merci. Stop à ce qu'il est en train de faire là. Ce qu'il est en train de faire là, ça a créé problème. Le propriétaire du bâtiment là, tu sais que ton voisin il est à côté là, il est en train de creuser un trou. Le trou qu'il est en train de creuser là, ça va avoir un impact sur ton bâtiment. Immédiatement, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends à la police, mais tu te rends au ministère de la Construction pour dire non. Ou bien tu fais une vidéo pour commencer à signaler. Pour dire où je suis à la vidéo là, je ne quitte pas là. Vous allez marcher sur moi parce que là, vous allez mettre mon bâtiment, ma maison en danger. Et mes locataires, et mes gens qui sont là, vous allez les mettre en danger. Donc ce que vous êtes en train de faire là, ça va agir. Il faut qu'on parte au ministère de la Construction pour régler ce problème-là. Sinon, tu ne peux pas agir comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avant que tu commences à creuser? Parce que là, ce que tu es en train de faire là, ça va avoir un impact sur mon bâtiment, sur mon travail, et ça va avoir un impact sur mes locataires. Donc je ne peux pas. Parce que là, si l'immeuble là s'écroule, les gens qui sont dans la maison, ils vont avoir mort d'homme. Mais personne. Le propriétaire, est-ce que tu as parti signaler? Est-ce que tu as fait vidéo? Est-ce que tu as fait vidéo pour dire non qu'il y a quelqu'un qui est en train de commencer quelque chose qui n'est pas bon? Hein? Toi, c'est ta maison, tu t'en fous, quelqu'un est en train de creuser. Parce que quand ça a tombé là, c'est pas sur vous ça a tombé. Ben, est-ce que c'est vous qui louez? C'est pas vous qui louez, donc vous vous en foutez. C'est pas ça? N'y en a quoi moi comme ça là? Petit kiki froissé dans pantalon comme ça. Hein? Pour n'y avoir mis les enfants des gens et puis population tombe, maison tombe sur les gens comme ça. Les gens sont en bas, ils sont là-bas. Hein? Pour aller s'asseoir pour fumer chicha, être dans grâce, gragnacola. Elle zong, pas dans zong. Tu ne pourrais pas appeler les autorités pour dire que ah, il y a quelqu'un qui est en train de faire un vilain travail à côté de moi ici. Ça va avoir un impact sur mon bâtiment, ça va avoir un impact sur mes locataires. Le jour où je ne suis pas là, l'immeuble peut s'effondrer. Voilà l'immeuble là qui s'est effondré. L'immeuble penché que tu as fait là, ça s'est effondré sur les gens, sur les enfants des gens. L'immeuble penché. Où sont les construits de la maison? C'est mal penché aujourd'hui. Maison est penchée. Ici, les gens sont dedans. Humidité va tuer les gens. Ils sont assis, ça ne les dérange pas. Les locataires se plaignent d'humidité. Les locataires se plaignent de vilaines choses dedans. Ça ne les dérange pas. Ils ne font pas des choses pour améliorer. Les locataires sont là. Chaque année, ils sont obligés de faire la peinture. Peinture dans les maisons. Hein? Tu rentres là comme ça, il y a les trucs. Kaya dans les nouveaux bâtiments, vous voyez là. C'est des bombes. C'est des bombes.
Quand c'est pour envoyer la mairie dans les magasins des honnêtes citoyens qui sont en train de vendre à la sueur de leur front, quand on doit un mois net là, voilà la mairie qui est arrêtée là. Voilà les brutales, les choses qui sont arrêtées là. Non, 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 on est venu pour ramasser les chaises. Allez ramasser les casques des femmes. Allez ramasser les bassins, les boubous des femmes là. Pour du sous-prétexte que quelqu'un, vous n'avez pas, vous devez être comme ça. Si on sent leur demander pardon, mais ils ne sont pas prêts. Ou ils doivent aller faire bon contrôle dans les constructions. Pendant que les gens sont en train de faire des constructions anarchiques, les constructions bidons. Ils prennent les terrains des gens, ils disent un an, ils ont 10 ans de choses. Comme ils ont 10 ans de location avec des personnes qui n'ont pas l'argent pour exploiter les terrains. Donc ce sont eux qui font ces constructions bidons là, les liboules là. Deux plateaux qu'ils ont cassés, qui est là, deux plateaux vers ce côté derrière où ils ont cassé. C'est eux qui ont fait venir l'étage comme ça là. C'est eux. Parce que c'est les 10 ans qu'ils ont. Les gens n'ont pas l'argent pour construire. Donc, ils font des changements de trucs. Ou toi, tu viens, tu construis dessus 10 ans. Comme il sait que le terrain, la maison ne va pas le revenir là, il prend ciment 1000 francs. Il paye ciment 1000 francs. Il paye sable 500. Il prend sable rouge là, 2 millions. Et puis, il prend fer. Il prend petit fer. Il prend petit fer, mince comme ça. 500. Et puis, il met dedans. Bah, il sait que dans 10 ans, la maison n'a pas le revenir. Donc il met bombe et puis il laisse. Et puis c'est pour les gens là après. Les gens sont dans la maison est penchée comme ça. Le mur là même là, il ne va pas crêper mur. Les gens rentrent dedans, humidité comme ça, dans les maisons, vers ce côté derrière où ils ont cassé là. Derrière là-bas là. C'est Nyama Nyama qu'ils faisaient là-bas. Parce que c'est les choses, c'est sur contrat 10 ans. Le ministère de la Constitution est où pour faire ce genre de contrôle-là? Avant qu'ils ne commencent à faire cela, quand les gens sont dans la légalité, et puis ils restent un peu, ils vont finir les trucs, et puis ils demandent pardon. Là. Vous n'êtes pas prêts. Quand les gens sont légalement comme ça, ils ont les papiers, tout, et puis ils disent, ah, pardonnez, comment céder les trucs de temps, pardon, on va les faire. Vous n'êtes pas prêts. Ces personnes-là, vous n'êtes pas prêts. Vous les coincez comme ça, hein, force, vous voulez faire. Mais publiquement comme ça, en pleine ville comme ça, en plein centre-ville comme ça, quelqu'un fait les bâtiments penchés comme ça, les travaux bizarres. Une machine bizarre à côté. Il n'y a personne pour l'interpeller. Il n'y a personne pour l'interpeller, pour dire qu'est-ce que tu creuses au milieu comme ça d'un autre bâtiment. Le ministère de la Santé de la Constitution ne se promène pas là pour dire quel travail tu fais comme ça. Le propriétaire aussi ne prend pas de mesures de sécurité de ses locataires. Vous pouvez réparer la vie de ces personnes-là. Les gens qui ont pris ce qu'elle là-bas, là, vous pouvez réparer la vie. Le vigile de la même maison est tombé sur lui. Ça, la même, là, cette testicule, la zagou, là, ça ne peut plus s'élever encore. Par une maison, elle était couchée sur lui comme ça. Il est sorti là-bas, même la vigile. Il est blanc comme ça. Ça, là, je sais que son kiki même a pris un coup. Hein? Quand c'est en plein centre comme ça, ils ne voient pas. Hein? Quand les gens sont se cachés au bout du monde pour faire les choses là-bas, au bout là-bas, ils vont aller là-bas, fort, fort. Ils vont porter vestis pour aller là-bas. Madame, s'il vous plaît, le ministère de le ministère dit de terre maintenant, dégagez d'ici. Vous allez quitter ici. Si vous n'avez pas de pratique de terre, ici la constitution ne peut pas faire. Il faut venir là comme ça. Ce qui est dangereux, même ça est dans les narines ici, ils ne vont pas là-bas. Oh, à la fin de la journée, là, vous, allons bon trop. Oh. Hein? La vie qui est doux comme ça là. Une jeune caissière comme ça, elle est partie là, elle est restée là-bas. Et puis ça, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini, hein? Il y a les gens en bas encore. Ça là, vous pouvez, la vie de ça là, vous pouvez les donner. Vous pouvez régler vie ça là. Vie, la vie qui est doux comme ça là. Voilà Marie-Dominique. Voilà Marie-Dominique qui est partie. Marie-Dominique est partie. Et voilà Marie-Dominique qui est partie dans RTI là. Vous continuez de parler dans le micro, toujours Marie-Dominique. La pauvre petite fille Marie-Dominique là, voilà elle qui est partie. La vie qui est sucrée, qui est doux comme ça là. Voilà Marie-Dominique. Marie-Dominique, voilà Marie-Dominique. Voilà TikTok aussi qui a ses phases de couper live. Quand il veut vérifier et continuer. On vérifie ou ça ne continue pas. Ça se coupe seul, ça fait chose. Ou ils vont couper les choses, ils ne coupent pas. Hein. Les panches qui font Kulolo, Kui Podakuru, Nyamogode là-bas, qui font l'étude de Nyamogode, ils ne coupent pas là-bas. Hein. Mon chéri est sous le poste. Marcel est sous le poste. C'est mon chéri, c'est mon gars. Oh. C'est mon gars. Mon gars là, eh. Mon gars là, oh.
mon gala, eh, il est là. Mon gala, oh, mon gala, eh, mon gala, oh, il est là. Voilà, Marie-Dominique est partie. Voilà, Marie-Dominique, la pauvre petite fille, jolie petite fille comme ça. Marie-Dominique est partie comme ça. La vie, elle a continué derrière elle ici. Les Marie-France, quoi, connant, les Marie-France, Marie, quoi, la mère, on a parlé toujours à la télévision. Voilà, ses collègues qui sont là, fait émission, ils sont là, invités, les gens, toujours, les gens rient toujours. La vie continue. Les gens sont là, jaculés dans les hôtels, dans les résidences. Les kikis sont en train de s'élever. Les cri-cris sont en train de s'élever aussi. Voilà, la vie est en train de continuer, comme d'habitude, derrière elle. La vie qu'elle a là. Si ça se coupe, on va faire chose. On dit, il y a deux encore en bas. Hein? Ça, là, c'est quel argent vous avez donné, mais qui peut compenser la vie de ces personnes-là? Ça peut porter vestu si pour venir marcher. Vous dites que non, c'est un parent. Et consolation aux parents. Et même si c'est non, non. Monsieur aux parents. Écho, notre alliance. Mystère du temps est venu. Et oui, c'est tout. C'est tout. Ça ne peut pas rêver. Ça ne peut pas rêver. Ça ne peut pas rêver. Ça ne peut pas prendre la vie de l'enfant. Là. On vous dit que non, décret signé. Tout a eu toute une vie, on va te mettre à l'école, ça ne peut pas. Ça ne peut pas me payer une maison de la femme qui a perdu son mari là. Toute une vie, ça ne peut pas. C'est tout. Oh. Non. Jésus. Non. Non. C'est lamentable, hein. C'est lamentable même. C'est pour ça tout. Le vigile, mais où il est là, la main, les son corps là-même est touché comme ça. Lui, ils ne vont pas l'envoyer dans un bon hôpital. Ils vont l'envoyer tout de suite dans une petite hôpital tout de suite. Où ils ne vont pas bien faire ses examens. Après, c'est son kiki va prendre un coup. Son kiki ne pourra plus bien s'élever. Pour faire enfant, ça sera compliqué. Ça, c'est tombé sur lui. Il a les séquelles. Ils ne vont pas l'envoyer pour faire scanner tout de suite. Après, ils vont venir là. Non. Le mystère de Jésus est venu pour la sensibilisation des choses. Parce que, même si la vie de l'homme n'a pas de prix, il faut que on sensibilise. Parce que le mystère de la construction, doit venir pour. En ce moment, les vestes vont venir comme ça. Les vestes vont venir. Les affaires noires ici comme ça. C'est même pas c'est quoi que TikTok fait comme ça. C'est quoi ça même? Oh, TikTok de. Hein? TikTok, tout le monde était venu s'amuser ici, là aussi. Voilà ça aussi que. Hein? On dit les gens signalent. Signalent un problème. J'ai quel problème? Et puis je vais signaler là. Il faut m'arrêter ça, TikTok. Qu'est-ce que tu ne vas pas être toi? Tu es devenu comme Zoumbé Koumier. Zoumbé, qu'elle a là, il ne s'occupe plus des pages Facebook. Il a laissé toutes les pages à toutes les Niamis là-bas. Toi aussi, on a couru pour venir chez toi ici là. Tu es là, tu fais les choses noires. Tu disjonctes aussi. Qu'est-ce que tu ne vas pas être toi? Hein? TikTok. Oh, tu déconnes même. Mal, hein? J'allais donner la finalité là, tu m'as déconcentré. Kiki Deco, allons construire une maison, allons-y, arrêtons de sucer Kiki. Payons maison, payons terrain, maison. Si tu sais que tu ne peux pas rentrer dans tous ces gigas là, va chez Kiki Deco. Kiki Deco immobilier là, allez là-bas, tapez sa page. Si tu as bien ici, elle a bien ici. Voilà. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Si tu sais que tu es en Europe, il faut envoyer quelqu'un dessus. Là, ils vont aller dans sa société, ils vont te passer son... Ils vont te passer ça à son assistante, ils vont te passer secrétaire, tout. Tu vas parler. Et puis tu as ton cœur coincé, puis tu es là, tu es disjoncté là. Les gens sont en train d'allumer fort, on peut pas, tu peux pas répondre. Attention à vous, cette fois-ci. Parce que vous aimez bien ça. Vous avez une façon là qui m'enjaille pas un peu là. Vous avez quoi comme ça? Dans la vraie vie, vous sapez les tenues. Waouh! Quand on dit qu'il est l'heure de monter sur scène net, arriver là-bas net, vous prenez les choses là, et puis ça nous disjoncte, et puis ça nous démantèle.
Ça, ma que tu as là, c'est pour que ça bouge. Arrête-moi tes choses de choses là. À cause de moi, même là. Tu vas dans le concert, puis tu prends cycliste, beaucoup de cyclistes comme ça. Laisse la fille, la petite bouger. Tu as quoi comme ça? Cette fois-ci là, le 14 août là, si tu t'en vas à cause de moi, Guéret qui est là, qui contrôle tout, qui repasse les habits pour te donner. Si tu vas, si tu laisses pas ça, ma, si tu laisses pas ça, ma bouger, si tu la mets pas dans un truc moulant comme ça, là, comme façon à Trècheville, tu as porté une robe blanche, une longue robe comme ça, hein, cheveux là. Ils ont mis la coiffure là en haut. Quand tu es sorti comme ça, là, on dirait Beyoncé. On dirait Nicki Minaj. Trècheville là. C'était une seule robe que tu as portée comme ça. Mais quand tu es sorti, on dirait Target. On dirait Target. Avec une coiffure vraiment époustouflante. Ça sortait de l'ordinaire. Paris même qui est Paris, où tu vas arriver là-bas, tu vas déhancher, tu vas dégager Sama, tu prends Sama, tu es assise là, il prend Sama, il met collant, il coince Sama. Si tu la coince 14 là, si tu la coince le 14 là, nous les Amazones ne donnent pas, elles sont en gaouli comme ça, elles sont chaud chaud là, tout le monde entre les petits tickets, allez là, c'est ticket de 100 000 et puis combien là, qui reste, il n'y a pas tant. Si tu prends Sama là-bas là, que tu la coince, tu la coince dans la chose et puis quand elle fait Zambélema, elle est dans Guine, elle est ceinture fort là-bas, là, tu vas prendre drap de ça. Regardez-moi les deux là-bas. Tu vois pas comment Target fait là? Target même là. Target là, c'est mon artiste, hein? Nicki là. Oh, Target. Target. Elle fait les choses comme Target. Elle porte les choses, les habits, ça moule. Quand il est l'heure de vos spectacles là, vous savez pas que tout ça là, ça compte dedans? Vous savez pas ça? La voix, mais là, la présence, le hey, 14 août, attendez-moi, on se prend là-bas. Ben, le matin, je suis là-bas d'abord pour faire siffler, pour appeler la nation. J'appelle toute la nation d'abord le 14 matin. Très tôt quand je me lève là, je suis là-bas. Je vous appelle d'abord, je vais siffler d'abord du portail jusqu'en où elle doit rester. J'appelle d'abord. Arrivé là-bas net là, je commence à siffler. Moi-même, je vais regarder tes habits qui sont dans la valise là, Napo. Parce que si c'est lui qui est devenu la styliste maintenant, pour te coincer, parce que j'ai bien remarqué, c'est ça ma qui l'a coincé comme ça. Il ne veut pas qu'elle bouge. S'il la laisse pas, la petite fille là, elle va monter sur le truc pour faire Sambélema. Allez, pourquoi Ningona, Boningona, Sambélema. Hey, à José. Quand on dit José, ça a le droit de faire comme ça. À José. Il sent te porter, tu as arrêté, puis il te porte cycliste. Il prend cycliste, il coince. Il prend pantalon, ça coince. Il me prend tout. Et puis tu es là maintenant. Même celle-là, même, il ne veut pas. Si tu ne remues pas les deux là, c'est là que tu vas voir que, en fait, de tante et puis nièce là, je vais te montrer que je suis ta grande soeur. C'est là, là, le 14 là, le 13 même, je vais regarder les habits d'abord. Si je vois là-bas là, je vois les habits coincés là-bas, j'ai dit enlève ça. Allez, enlève ça là-bas. Enlève, je vais enlever en fait de tata là de côté. Je vais mettre, grande soeur là, je dis, va enlever habit serré là-bas. Allez, mets ça là-bas. Ça c'est quoi ça? Tu te sers pourquoi? Déhanche-toi là-bas. Moule. C'est pour lui déjà. Mais tu es une artiste. Tu dois déhancher. Déhanche-toi. Casse. Je sais qu'actuellement là, tu te masses, hein? Masse-toi. Puis diminue les bawins là. Bah ouais, les choses là, diminue actuellement la nourriture, truc là, diminue, pour que tu sois léger, faut que le corps soit léger, pour que tu sois détendu, là comme ça, quand tu fais comme ça, Sambélema, à José, Sambélema,
À l'époque, on a bon, on a zombé. Aïe, tu t'arrêtes comme Nicki Minaj qui fait là. Targuel. Quand elle fait Targuel, elle fait comme ça. Le 14 là, 14 août, c'est le. Ça dit le last des concerts, c'est ça qui est le 14 là. De toute façon, Nicki Minaj, je t'envoie une vidéo, hein, je t'envoie une vidéo de Nicki Minaj. Où elle a porté petit caleçon là. Ça, tu n'as pas porté petit caleçon, mais tu te fais comme ça, tu te places et puis tu fais comme Targuel a fait là. Qu'on dit, allez, toko ningana, boningona, zambelema. Aïe, José, José. Ça veut dire qu'il y a un abîme que tu as porté là, qui a fait que Sama même là, ta Sama là, elle doit faire comme ça. Elle monte ici, elle descend là, elle va ici, elle revient au milieu. Et maintenant, elle se place comme ça et elle remet à la salle, les Amazones, elle remet ça aux Amazones maintenant. Bongo, bongo, zambelema, zambelema, zambelema. Et puis tu donnes ça aux Amazones. Les ministres qui sont devant, les personnalités, tout ça là, tu dois leur remettre quelque chose. Tu dois parler, les gens payent ticket cher, tu dois faire ça, elle doit bouger, on doit la sentir. Si tu t'arrêtes là-bas, qu'il coince, il te coince, il prend cycliste coincé, pantalon coincé, puis il te donne. Et puis, chose te récupère, goodbye, il te prend là. Tu vas voir ce qui va, tu vas voir comment ça va se faire après. Si tu as laissé cette fois-ci conseil ça la goodbye t'a pris pour te prendre goodbye. Si on t'envoie dans Moudbaye, il te prend. Tu vas voir. Cette fois-ci là, je te tiens à l'œil. La valise même, je vais aller regarder la valise le 3, le 13. J'ouvre la valise, je regarde. Après, il est capable même cette fois-ci là, comme on a parlé de serrer là, il est capable d'aller prendre des grosses robes même là pour mettre pour ne pas quelque chose. Attention, hein. Attends. Sama, c'est pour lui. Voilà. Donc, le 14, j'espère que vous êtes prêts. 14 août, ça chauffe pas. Ministère de construction. Ministère. Vous voyez la partie là. Hein? Les gens qui vont. Oui. Les gens qui vont rester comme ça là-bas. Là. Vous voyez la partie là. Je ne m'amuse pas. Hein? La robe est très belle. Là, le numéro de la robe. Ma fille met le numéro de la robe. On va épingler, ils vont t'appeler, tu vas confectionner ça. C'est elle qui confectionne ça. La petite, elle confectionne cette petite robe-là, ça vend. Elle vend cette petite robe-là. Tu veux la couleur que tu veux. Elle va taper ça pour te donner. Elle fait ça très bien. Voilà. Voilà son numéro qui est là. J'ai épinglé le commentaire de Joanie. La petite même, elle est sous le poste. Voilà. J'ai épinglé le commentaire de Joanie. Voilà le numéro de la petite. Si on dit qu'ils vont bon placali au plateau de cuir Jo Béton, samedi, dimanche, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un qui vend bon placali. Préparez-vous en juillet là. Je dois faire un bon concept de quelque chose. Voilà, je dois accompagner le placali de quelque chose. Mais à partir de vendredi, samedi, dimanche. Ça veut dire que ça n'a pas chauffé. Il y a fait quelque chose de bombardier. Il y a mettre un bombardement à côté. Ça veut dire que ça n'a pas chauffé. Quand tu es en ville ici, les vendredis, tu m'appelles, tu viens. Les bons trucs. Mais quand elle dit tout de suite là, elles vont voler mon concept. C'est des grandes voleuses de concept. Elles volent les choses, puis elles sont fait main chaude là. Elles viennent se coller aux gens pour aller reproduire ce que les gens font. Les grandes voleuses de concept. Il y a loupé. Il y a gore même. Mal et l'épée goyo. Il y a gore. Il y a nyamrodé comme ça là. Elle est sous le poste ici. La petite est sous le poste. Ma fille, tu es là? Les targets là. Oh, target, la voilà qui est là. Afnou, elle est là, Afnou. Tapez son truc, c'est Afnou. Elle est là. C'est combien la robe? Appelez-la, elle va vous dire. Est-ce que c'est moi la commerçante? Elle est là, elle va vous dire. Faut répondre aux commentaires, ma fille. Commence à répondre aux commentaires. Tu connais les internautes là. Ils posent questions, ça finit pas. Questions, ils n'ont pas posé à l'école là. C'est ça, ils aiment poser sous les postes des gens ici. Allons payer maison chez Kiki Deco. Tontine immobilier, Kiki Deco. Toujours dit Kiki Deco, c'est sa page qui est Kiki Deco. Allez taper Kiki Deco. Allez vous renseigner là-bas.
tantine immobilière là-bas. Allez-y, vous avez payé les choses un peu. Vous allez prendre maison. Miss. Voilà. Construction anarchique là. Montaigne là. Il n'y a pas de référence là-bas. Hein. Montaigne là. Ça là, il y a fit dedans. C'est pas sale, c'est pas vilain, mais il a mis un peu de fit, puis il vient. Il ne donne pas référence de quelque chose. Voilà. Il n'y a pas référence encore. Voilà. Mon teint là, il met un peu de fit dessus. Ce n'est pas le teint global qui est là. Voilà. Par là, je suis en mode doucement, doucement. Passer à faire des pommades là. Il y a gal dedans, il y a wara wara, il y a problème, il y a mamie, il y a nyama nyama dedans. Donc, allez là, je suis en mode small, small. Je suis en mode small, small. Je fais doucement un peu, je fais un peu. Quand je vois que ça fait d'une manière un peu là, je laisse, je me fais double vacation. Quand je me sens un peu chic un peu, je fais deux jours, trois jours, je vois que je sens que je suis à faire un peu, je dépose un peu. Il n'y a pas de référence, c'est douce, donner, donner, je fais un peu. Sinon, il y a un moment ici, là, tout était gâté ici. Tout était gâté, il y avait gale partout, sur mon ventre, mes fesses là, mon corps là, tout était là. Ah, Pascaline. Target là. Faut taper. Faut taper Target. Mijo. Mijo. Construit les maisons et puis après, les gens vont décéder. Hein? Les gens vont décéder. Vous allez venir là. Vous allez venir tout de suite là. Le mystère. Nous sommes venus. On est le mystère de Jésus, la constitution. Parce que la vie de l'homme importe que la vie de l'homme importe que le truc. Une personne doit être dans des conditions. L'État nous a envoyé. L'État dit que c'est tout. Hein? Ça là, ça n'arrivait pas l'homme. Ça là, ça n'arrivait pas l'homme. Parole ça là, ça n'arrivait pas que ça n'arrivait pas quelqu'un. Kaes. Kaes. Bisous là-bas, Kaes. Hein? Ça là, ça n'arrivait pas l'homme. Le ministère nous a envoyé. Nous sommes là pour le ministère dit que le ministère soutient que le dialogue, nous sommes en train de discours. Ça veut dire c'est que le ministère, parce que le ministère de la construction dit que les constructions actuelles, si vous mettez que non, on a individué, parce que les gémulés, l'attitude, ça là, ça n'arrivait pas à l'homme. Ça n'arrivait pas à l'homme. Hein? Non. Même enveloppe que vous donnez là, ça n'arrivait pas à quelqu'un. Donc, contrôlez pour faire attention à la chose. Hein? Ça n'arrivait pas à l'homme. L'immeuble s'est écoulé parce que les constructions, on avait déjà donné un papier de titi. Il faut être au marquage, Nadoudou. Il faut être au marquage à ça quand ça commence en même temps là. Éteignez feu là. Ça n'arrivait pas à quelqu'un. Enveloppe même qui vient après là. Non, si tu dis à quoi à la famille, la famille est pleurée, parce que si la famille est pleurée, nous sommes de cœur, le cœur nous fait mal, on a de diminuer. Non, parce que si tu dis dans les statistiques, le titre article, l'article 2, l'article 1 avait dit que le ministère de la Constitution, a arrivé au sixième étage, le stade, le ton, les articles, les ciments, le crépissage de tout le non, les juges du le ministère de la Constitution a dit que les architectes de jeunes, ils devaient prendre des mesures de construction, la machine a tiré, donc là, l'État nous envoie à venir pour donner le soutien à toutes les familles pleurées. Oh, aux familles pleurées, comment? Aux familles pleurées, comment? Aux familles qui ne vont pas se réveiller? Aux familles qu'on ne va pas assister à vie? Il faut dès maintenant les contrôler? Oh, oui.
Des familles qui ne vont pas être assistées à vie. Des familles que vous n'allez pas prendre en charge à vie. Il faut les contrôler dès maintenant. Il faut contrôler vos bâtiments d'aide maintenant. Il faut contrôler maintenant le ministère de la Construction. Doit contrôler tous ceux qui sont en train de faire des constructions en anarchie. Oui, parce que vous n'allez pas, quand il y a des dégâts, vous n'allez pas contrôler ces familles à vie. Oui, vous n'allez pas scolariser ces enfants à vie. Oui, vous n'allez pas consoler les familles à vie. Oui. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait pour sauver la vie de ces personnes? Oh, ouais. Pensez à ça. Trop de légèreté. Franchement, chacun se lève, se permet de construire comme il veut. Il n'y a pas de contrôle. Oui. Il n'y a pas de contrôle. Et après, c'est médecin après la mort. Nous sommes là parce que le ministère nous a envoyé pour substituer, pour dire de condoléances à la famille. Ça ne réveille pas les morts. Ça ne paye pas la scolarité des enfants à vie. La vie est compliquée. Ça ne console pas. Quand vous passez une fois, vous êtes parti. Nous sommes face à nos destins, à nos réalités. Protégez-nous. C'est ce qu'on vous demande, ministère de la Construction. Des Bordeaux. Trié vérité, qui dit abissé, des Bordeaux. Toujours. Trié vérité, je dis abissé. Toi, vieux petit de Bordeaux, vieux petit artiste qui est là, vieux monsieur qui est là, c'est toi, tu es en train de bavarder, ça finit pas là. Tu vas pas te taire comme ça un peu. Hein? Tu parles quoi là? Toi, vieux comme ça, on peut te basser. Débat. Les Camerounais, là, attention. Hein. Attention à vous. Hein. Vous savez que ça chauffe pas. Hein. On peut pas donner nos enfants à la verdict populaire. Vous savez ça. Hein. Allez, attention. Voilà. Trié vérité, toro. Je dis abissé. Hein? De Bordeaux, il faut te taire maintenant. Il faut te taire maintenant, c'est bon. Tu as compris? Basse-là n'a pas pris. Il faut te taire maintenant. Tu as compris? C'est pas sa fille qui était en train de faire vidéo hier là. Hein? Tu faisais vidéo avec sa fille, non? Joanie dit à la petite de répondre aux commentaires de Kadi l'américaine. Elle dit, s'il vous plaît, vous vendez la robe. Ma fille, faut répondre aux commentaires de Kadi. Va en bas. Celle qui vend là, elle est sous les postes. Faut répondre à Kadi l'américaine. Faut répondre vite, ma fille. Faut suivre en classe. Dès que tu me vois avec les robes, la net, tu suis en classe, tu parles aux commentaires. De Bordeaux. Faut te taire maintenant. Faut te taire. Big Joe, la mère, je suis faim. On fait comment? Va faire ça avec tes tantes là. Voilà. De Bordeaux. De Bordeaux, Likoufa, l'allié. De Bordeaux, Likoufa, l'allié. Il faut fermer ça maintenant. Tu as compris? Il faut te taire là-bas maintenant. C'est bon maintenant. Dame épouse, elle demande la robe. Il faut voir la robe là. Il y a quelqu'un qui demande la robe. La vendeuse est sous le poste. Elle va mettre les commentaires. Le 07 78 03 43 40. C'est le numéro de la robe. La robe t'intéresse, Marie-Jo.
0778 03 43 40. Regardez les commentaires. Il y a un numéro qui défile là-bas. C'est le numéro de la robe. Debodo, Likoufa, Arafat. Déhanché maman, déhanché maman, déhanché. Vous-même, femme, de vous basser. Debodo, il faut t'éteindre maintenant. T'as compris? Il faut la fermer. Il faut la fermer maintenant. Il faut la fermer maintenant. Il faut t'éteindre maintenant. Toi, Debodo, petit vieux, paille, paille comme ça, là, quelqu'un peut te soulever pour aller avec toi au Cameroun, pour aller te donner Zamou. Toi. Toi, on peut te donner Zamou, on peut mettre Zamou dans ta bouche. Toi, on peut te faire goûter quelque chose qui n'est pas bon. Si elle a fait ça, c'est que toi-même, tu n'étais pas concentré. Tu n'étais pas concentré, c'est ça. Elle a pris tout le temps comme ça. Ils allaient te donner Benoît même. Chose, mouton noir. Faut te taire maintenant. Tu prends sa fille pour causer. Faut te taire. Tu étais avec sa fille hier, non? Il faut la boucler maintenant. Sa fille pleure, tu fais capture de sa fille, tu mets. Il faut laisser tout ça là maintenant. Ah. Il faut laisser. Tu vas pas laisser à elle. Ce qu'elle t'a fait là, si elle sait que c'est le mal, elle allait te faire. Elle va régler ça avec Dieu. Tu es enfant de Dieu, non? Tu es sorti de là. Ou bien, il faut te taire maintenant. Il faut te taire maintenant. Il faut te laisser maintenant. Tu ne vas pas rire à sa fille, puis tu vas rester dans les mains secrets de sa main, Dieu. Laisse-la à ses problèmes. Tu as compris? Nul n'est pas fait. Tu as compris? Souvent même, c'est vous-même qui amenez les filles là. Allez vous mettre dans cabri noir. Hein? Vous n'avez pas bon comportement. Les filles sont là tranquilles comme ça. Quand vous les mélangez net là, elles vous soulèvent pour vous envoyer. Qui était dans ça. Faut arrêter les publications là. Tu publies quoi? Tu montes quoi? Tu montes quoi? Faut arrêter. Faut arrêter, pardon. C'est que tu publies, tu es en train de montrer, tu fais sortir tous les secrets, les babadages là. Il faut arrêter, s'il te plaît. C'est une femme, il faut arrêter. Ça n'a pas marché, c'est bon. C'est bon. Ça a le plus son Dieu. Faut arrêter. Les bavardages que tu fais là, il faut arrêter ça. C'est pas ça. Il faut la laisser comme ça. Il faut lui donner ses portables. Toi-même, si on fouille ton portable tout de suite là, c'est si on bloque ton portable, c'est quand on a trouvé la mal. Si tu peux. Faut pas faire ça. Hein, le portable là, il est personnel, non? Hein? Ce qu'on va pas te faire là, c'est ce que vous faites aux enfants des autres. Toi-même, ton portable que tu as tout de suite là, si on rentre dedans, tout de suite on fouille là. Non pas seulement, on va trouver les filles. Likoufa, Likoufa, l'allié. Si on prend ton portable tout de suite là, on va trouver là. Likoufa, 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 l'allié. On va trouver ça dedans, tout de suite fort, même beaucoup. Son déhanchement, même grave, même, on va trouver dedans. Aïe! Quand tu dormais auprès d'elle, mais puis tu partais, puis tu revenais. On a trouvé tout ça là-dedans. Aïe. Chaque chose, chaque portable garde des secrets. C'est pourquoi tu as gagné là. Il faut lui redonner. Il faut lui donner son portable. Il faut arrêter de la mettre comme ça. Parce que tu causes avec sa fille déjà. Tu fais vidéo avec sa fille. Donc, tu n'as pas passé tout ton temps en train d'exposer sa maman. C'est bon. C'est bon. Il faut libérer là. Il faut libérer sa vie. Vous êtes libéré, non? Tu n'es plus avec elle, tu es avec quelqu'un d'autre. Il faut donner son portable. Ça veut dire que Gabriel a voulu faire ça, n'a pas marché. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Tout ce qu'elle a fait là. Toi aussi, c'est quelque chose que tu allais faire. Et puis, il n'est pas resté avec toi. Ah, c'est lamentable. Hein? Hein? Tu es parti faire basse même. Tu n'as même pas pu le maintenir. Et puis, ton cul est resté au dehors. Tu as trouvé les menteurs. Hein? Ils t'ont blagué. Ton frère même que tu dis, il fait truc passeur là. Ton frère, tu dis, ton frère est quoi passeur? Il n'a rien fait, hein? Celui qui a donné... C'est quoi toi tu allais faire là? Tu... toi vraiment, hein? Tu es grande comme ça, tu t'en fais faux basse encore.
Et puis ton secret est dehors comme ça. Tu n'es pas chose, hein? Tu n'es pas une adepte de la chose, puis tu fais. Tu n'es pas professionnel. Ah oui, oui, oui. Tu n'as pas gagné, tu n'es pas resté lui, il n'y a rien, et puis ton cul au dehors. C'est lamentable. Hein? C'est beaucoup lamentable. Tu n'as pas gagné, tu n'es pas dedans, puis tout est dehors. Au moins, si tu as gagné même, tu étais assis, et puis il pleurait pour toi, il ne pleure pas. Il ne pleut pas, il est paqué, paqué comme ça, gonan, il est là, yeux paqué, paqué comme ça, front du, il est là, zaï, zaï, il est là comme ça. C'est des bois d'eau, mais toi, tu t'as angoissé. Toi, tu n'as pas cherché quelqu'un pour passer des bois d'eau. Des bois d'eau qui est paqué, qui est là comme ça, paqué, paqué, il est là. Toi, il fallait prendre un gars détendu un peu là-bas pour le passer. Fallait prendre un jeune un peu détendu là-bas, moelleux un peu, tendre là. Des bordeaux, c'est nerf du là. Ah, ça ne pourrait même pas prendre. Quelqu'un qui t'appelle un golo, peut-être c'est un golo là même là, qui fait mes fétiches là. C'est un golo là même là, t'es dit un golo. Lui la fétiche, elle, ça ne l'a même pas pris. Des bordeaux est trop, des bordeaux est trop dur pour que tu battes le basset. Oh. Aussi, hein. 9 ans, tu n'as même pas. Tu as fait quel genre de. C'est, qui est qui? Ce marabout-là, il faut donner son nom, hein. La tante, la mère, on dit tante Ayala. Elle est nulle, hein. Ah! 9 ans, ils n'ont même pas pu faire quelque chose dedans. Il t'a pas cajolé. Il n'était pas là. Il fait les enfants en pagaille au dehors, en France, là-bas. Il revient, il fuit. Il prend les grosses filles pour venir à la maison. Faut donner les noms, hein, les femmes qui ont fait ton travail. Il faut donner les noms. Papa, maman va se tromper pour aller chez eux là-bas. Ah, elles sont pas fortes. Elles sont très nulles. Surtout ton oncle, même l'autre là. Celui qui a enlevé même chose. Quand il a enlevé chose là, il a enlevé salamandre là. Il pouvait pas mettre quelque chose là-bas encore. Aïe! Il enlève salamandre dans la coche de Bordeaux. Vous ne mettez pas l'autre salamandre qui va l'attraper. Vous le laissez, vous enlevez salamandre dans son corps. Vous le laissez, il vient à Abidjan. Tu l'as laissé même porter, il veut s'aller chanter. Pygmé, pour le prana, pour Pygmé. Des bordeaux qu'elle est là. Likoufa, 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 Larié, Lula. Lui qui est là, là, qui connaît tout comme ça, là, ses yeux sont paille, 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 comme ça, front, du petit, pété. Mon paï paï qui est là, big 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 big, lui là, fallait prendre un gars détendu là-bas pour le basser. Tu as mal fait, hein? Peut-être ton nouveau gars là, peut-être ça peut prendre lui. Demande-toi trop dur, demande-toi dur. Demande-toi, hein? Il connaît tout. Hein? Il connaît tout. Il connaît tout, il sait tout. Il dit, tu as la, lui seul, il dit, tu as la foi. Il dit, Dieu, tu as laissé Dieu. Lui seul, il reconnaît que tu es une femme de feu. Après encore, il dit que tu. Il est trop dur. Faut prendre un gars un peu mou là-bas. C'est un peu mou là. Lui là, bah, ça ne peut pas passer. Non. Les gens comme les Arafat, les Tepodo là. Eh, mais c'est les marabouts. Tu sais pas. Tepodo, mais c'est un féticheur. Tu t'es embassé de Bordeaux. De Bordeaux, c'est un féticheur. Tu n'as pas vu quand tu as battu à lui là. Il a vomi salamandre. Bon, toi, tu joues avec les enfants là. Hein? Les petits découpés décalés là. Toi, tu t'amuses à eux. Hein? Tu sais où ils sont quittés avant de faire. Quand ils ont commencé leurs trucs là. Très vérité, là. Tu sais où ils sont en tête d'avant avant de venir se mettre là comme ça. Et puis, ils ont commencé à prendre. Les vieilles mères ont commencé à les soulever en temps là. Tu t'amuses, hein. Quand tu as parti à lui, tu n'as pas vu ce qu'il a vomi. Salamandre n'est plus quelque chose d'être sorti dans son ventre. C'est-à-dire que l'ancien amour qu'il a fait là, c'est ça qui est sorti. Tu voulais renouveler, ça n'a pas rentré. Ah, des joueurs, hein?
comment ils sont simples comme ça? C'est allé là maintenant, ils sont assis là, ils sont en fait comme c'est le grand petit pasteur, petit qui est là là. Il fendrait. Après, maman Sanogo là, c'est lui. Pourtant, si on dit qu'on est, qui connaît Kouloua, c'est lui. C'est lui et puis son acolyte, l'autre là. C'était les grands petits coureurs. Ils ont couru avant. Ils ont beaucoup couru. Quand ils ont commencé à courir, là, tu n'as pas vu, c'est les vieilles mères. Les vieilles mères qui ont l'argent, Babaké, là, c'est elles qui faisaient leur vie. Elles donnaient l'argent sans permission, sans réfléchir. Payaient les voitures pour les donner. Aïe! Toi, tu quittes, je ne sais où, comme ça, là, au Cameroun, là-bas. Tu quittes dans le Cameroun, là, tu viens là. Ah, loup, non, comme ça, Angolo. Tu quittes un loup, non, comme ça, Angolo, dans la vie de lui. Angolo, même qui est sur toi, la même. C'est lui-même qui t'a agacé. Angolo, il t'a agacé lui-même, il t'a agacé par 9 ans. 9 ans. S'assoit dans à l'aile. Même un an dans une maison, et puis un gars va te regarder pour dire, il ne faut pas travailler, il faut rester là. Personne, aucune femme ne peut accepter ça. C'est lui-même qui t'avait bossé. Tu ne sais pas. Toi, tu es ouais, hein? Tu connais rien, hein? De Bordeaux. Petit paille-paille qui est là comme ça, kakalaka qui est là comme ça, là. C'est lui-même qui t'avait bossé. Et tout ce que tu expliques, là, si une femme n'est pas bossée, là, elle ne peut pas agir comme ça. C'est basse. Basse, c'est chose. Manque de digital, là. C'est tout ça, là. C'était ça. C'est où, au moment où tu t'es réveillé, tu voulais te faire truc là. C'est là maintenant, tu as pensé que tu étais maintenant une femme. c'est lui qui t'a bassé. Coach, de Bordeaux, bassé, tu fais, c'est lui. Il t'a bassé. Sinon, si on ne t'a pas bassé, toi, tu as 9 ans. 9 ans dans la maison de qui? De quelqu'un. 9 ans, tu es assise là, il dit, il ne faut pas travailler. Toi-même, quand tu regardes, il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire quelque chose. Ça descend dans ton corps. Tu nourris ta fille comment? Et puis tu es assise là, tu crois en tout ce qu'il dit. Il vient te trouver dans la maison, mais avec une copine. C'est toi-même, on avait bassé. On t'avait bassé, c'est toi, il a bassé. C'est maintenant que tu t'es levé, tu voulais courir un peu, puis il t'a attrapé, il a pris tes portables, il te suivait de près. Là, tu connais mal cela. Il te suivait comme ça. Il va voir si tu commences à être un peu intelligente. Dès que tu as commencé à avoir un peu de sentiments digital net. Il a récupéré tout tes portables. Carrément, Mbass. Toi, tu connais Mbass. Tu connais Mbass et puis tu es assise comme ça, 9 ans. En train d'appeler les marabouts sans succès. Tu connais rien. Tu sais lui-même. C'est lui-même qui t'a bassé. Sinon, toi, tu connais Basse. C'est ça, là, tu appelles Basse, là. Ou tout ton cul au dehors, là. Tu quittes dans les choses, tu ne supprimes pas. Toi, tu connais ceux-là, puis tu laisses tes secrets dans la main de ceux-là. Ceux-là. C'est que eux, ils connaissent ça. Toi-même, tu ne connais pas. Toi, tu joues avec les hommes. Il n'y a pas plus basseur que ceux-là. Il n'y a pas plus coureur que eux. Là, ils courent. Ils courent. C'est des grands coureurs que tu vois. Là. Tu les vois comme ça, ils payent cola, ils vont devant Kamko. Ils vont devant mosquée. tu joues les hommes. Ils vont venir s'asseoir et vous jouer les gens qui ont trop bassé. Ouais, parce qu'ils ont fait. Qu'on en basse là, fait gâter la vie de Débordeaux. Quelle vie de Débordeaux qui était gâtée? Un enfant qui chante comme ça, ça va être gâté comment? Sa vie est gâtée dans quoi? Celle-là, elle a bassé comme ça. Celle-là. C'est elle-même qui était bassée, ceux-là, vous les voyez là. Ils vont chez Kramouko. Ils vont chez Kramouko, ceux-là. Ils peignent mon miel, ils donnent devant mosquée. Vous s'amusez. Hein? Il n'y a pas plus courant que. Ils courent fort. Quand on a mis à faire des débordeaux là-bas, il faut les voir là-bas. Ils sont gaoulis là-bas. Les femmes de jeudi, j'ai dit médicaments. C'est pourtant eux-mêmes là. Ils bassent les filles. Ils bassent les femmes, eux-mêmes, là. Beaucoup. Quand ils voient que ça avait glissé dans les mains, là, ils prennent les deux pipotes chez eux, ils commencent à courir. Au lieu que la femme pâte revient.
travail. Côté basse, là, quitter. On laisse ce côté-là. Laisse, c'est pas dans ça, eux. Que basse, basse qui? C'est qui ils ont bassé là-bas? C'est qui ils ont bassé des bodos? On a bassé des bodos. C'est qui ils ont bassé? C'est qui on a bassé? Puis on a pris 9 ans pour la fermer dans la maison. Faut oublier, faut pas sortir. Pour prendre une soucopate, pour la mettre dans la maison, pour dire ne sors pas, hein, golo. Gana, goloa, goloa, golo. Ne sors pas, reste ici. Et puis dans 9 ans, là, elle, ses amours qu'elle fait là, ça ne peut pas la développer. Au moins, la mettre dans les gigas pour faire des sorties, pour faire ses trucs. Elle est assise, elle amour, elle fait sacrifice. Elle paie les momies, elle paie les cabris. Elle paie les cabris, les moutons, elle paie, puis elle est assise, elle sait, puis ça ne disjoncte pas, ça ne décante rien. Une fille qui aime, et qu'elle connaît, mais enfin de debout. Et puis elle est assise, puis ça ne disjoncte rien dans sa vie, puis elle est là, elle ça. Hein? C'est lui-même. Elle que lui-même, il coupe qu'elle. Vous jouez cela, ils sont étonnés là-bas quand on parle de moutons noirs, moutons verts, ils font, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Elle est de fille à marabout. Pourtant, eux-mêmes, ils sont là, les grands féticheurs. Des grands marabouts. Ils vont chez les féticheurs, ils tuent moutons, ils tuent bœufs. Même Benoît, ils tuent pour leurs collègues. Pour pas, faut pas. C'est vous, c'est quand c'est sur fétiche, c'est quand c'est sur l'amour que ça vous fait mal. Et les bœufs que vous tuez pour détruire vos camarades dans les bureaux là. Vos collègues là-bas, là, vous allez tuer Benoît. Et puis vos collègues sont paralysés. Vous les hommes même, vous faites ça fort même. Vous avez oublié. C'était quand vous êtes venu parler. On connaît votre collègue. Je vois beaucoup de garçons. Elle voulait gâcher sa vie. Vous-même, vous gâchez la vie de vos collègues au travail là-bas. Vous partez faire maraboutage fétiche. Ils vont vous basser, pion. C'est parce que Ngolo n'est pas rentré dans le bon coin, c'est ça. Ngolo, elle est allée. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire. Sinon, si on gagne bon là, on va vous basser mal. Vous, c'est vous-même, on doit basser. C'est vous, mais on doit bien attacher comme ça. C'est vous qui êtes là. On ne connaît pas rentré quelque part, c'est ça. On connaît aller s'amuser. On connaît là. Elle allait jouer. Vous. Vous avez bouche là, vous allez la montrer. Aga, voilà Aga ici. Aga, Aga, toi, tu n'aimes pas Zamou. Et puis on te prend, on dit, tu connais l'Afrique, non? Tu connais votre milieu là. Et puis tu montes dans le cas pour aller. Dans le cas pour aller à elle. Pour aller vomir salamane. C'est quel pasteur qui fait vomir salamane? C'est quel pasteur qui fait vomir salamane? Tu savais où ils étaient? Qui m'a pris pour me donner un médicament? Toi, petit, pépé, comme ça, quelqu'un va t'envoyer dans un autre pays, aller prendre un médicament, viens te donner pour boire. Toi, tu as boire. On va même là, elle n'a pas trouvé bons amours. C'est ça, tu parles. Corolla, elle n'a rien fait. Elle ne connaît rien même. C'est une volée elle-même qu'elle a. Les Agas qu'elle appelait, tout ça, ils n'ont rien foutu dans sa vie. Si Corolla même t'avait bien bassé, là, tout ce que tu fais là, tu n'allais pas le faire. Corolla même, là, c'est une mulade. Corolla que tu vois là. C'est gros. C'est une bédale. C'est une bédale qu'elle est Corolla. C'est quoi elle a fait là? Une nulade. Toi, tu avais accès à lui comme ça, tu dormais à lui là. Tu vivais dans la même maison à lui. Puis tu assises l'André Beu. On prend 5 filles grosses et on envoie les filles. On envoie les filles devant lui, il voyage devant toi, il s'en va, il est enceinte à gauche, il est enceinte à droite. Et puis, c'est vrai que son désordre là, affaire de son désordre n'est pas là, c'est affaire de toi, ton basse là qui est au dehors. Elle m'a bassé. Toi, on peut te basser. Toi, petit vieux monsieur qui est là, quelqu'un peut te basser. On t'a bassé, puis tu as attrapé sa fille comme ça là. Hein? Elle t'a bassé. Et puis elle est là comme ça, puis les filles viennent. Ngolo. Une femme qui basse, elle va pas travailler. Les fétiches, elle fait ça, ou elle sort pas de la maison. C'est maintenant Ngolo voulait se lever. Ngolo va commencer à se lever maintenant pour faire les choses, pour voir comment elle peut réveiller son foyer. Voilà, ils ont attrapé Ngolo. On
congolais, une psychopathe. Quand tu as laissé ceux-là, ils vont venir parler d'envie des femmes. Les basseuses, on ne vous basse pas. Si les femmes gagnent basse, elles vont bien vous basser. Puis ça ne va pas chauffer. Il faut vous basser même. On ne vous basse pas. Il faut vous basser. Venez me frapper. Venez me frapper. Venez couper la partie là. Allez dire qu'elle dit qu'on n'a pas bassé les hommes. Regardez-moi ça. Ceux qui ont bassé, puis ils n'ont pas parlé, puis on ne les a pas attrapés, puis vous êtes assis là. Vous allez penser que non, c'est maman, Marie, elles ont prié, puis vous êtes dedans là. Vous pensez, vous savez. Carrément. Elles vont finir d'enterrer les enfants déjà là. Quand ils vont se faire des ngolos là-bas, il là, faut les voir là-bas. Encore. Encore. Je sais, c'est bien le maraboutage. Une femme, c'est un homme, peut pas. Pourtant, où elles sont, elles ont fini de bien enterrer Canaries en bas des maisons. Sous tête du lit du monsieur, même la carreau, la mère, elle a déjà cassé, elle a mis un petit canari là-bas, elle a bien fermé. Et puis maintenant, il est couché maintenant. Chapelet de maman Marie en haut, ou bien Tassabia en haut. La croyance, le Seigneur Dieu, à la flemmienne, à la mémiken, ni flemmienne, ni à Koubé, à la libou. Moi, je ne connais pas fétiche, je ne connais pas maraboutage. Des grandes menteuses comme ça. On se connaît. On se croise ou on ne se croise pas. Des menteuses comme ça. Qui se lève pas aujourd'hui? Qui coupe pas? Qui coupe pas pour aller regarder pour voir la position sentimentale là? C'est comment? Des grandes menteuses. C'est ça qui sont écrits à insulter Ngolo là-bas. Ngolo n'est pas tombé et Ngolo connaît rien. C'est ça. C'est une voix. On se croise. Et tout est check. Et tout est sécurisé. Elles ont fini de tout sécuriser, tout planifier. Spirituellement, elles ont tout fait humain. Elles ont pris le côté du Seigneur. Maintenant, elles ont pris, elles ont chargé. Voilà. Elles sont là maintenant. Moi, tout le monde dit, nous on dit maraboutage là. Nous on dit maraboutage. Moi, je ne connais pas ça. Mon mari, même, il est marié là. C'est Dieu. C'est avec Dieu, la prière. Ce que le Seigneur nous a fait, on a traversé des moments même, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai tout mis sur la foi de Dieu. Nika, ala, quel est le pays? Ala, le kanyam, anouya grec. Moi aussi, moi, je ne connais pas le marabout. Moi, je ne connais pas le marabout. Le marabout, mais moi, je ne sais pas où il habite. Quand on me parle de tel marabout, je dis, je ne peux pas aller là-bas, c'est Dieu seul. Seul Dieu peut régler ce problème-là. Ce problème-là va être réglé par Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, personne ne peut régler ce problème-là. Dieu même assis en haut là-bas, sur un arbre là-bas, puis il dit, oh! Oh! On court. Nous tous, tout le monde court. C'est courir pour aller détruire son prochain. Courir pour aller couper la tête de son ami. Courir pour gâter le travail de son camarade. Courir pour détruire, gâter le marché de son ami. Courir pour prendre caca pour mettre devant le magasin de son ami. C'est ce qui n'est pas bon. Sinon, on court. Vous courez. On tous son coup. On sent et puis on vient, puis on fait ça. Foutez la paix à Golo. Sa relation n'a pas marché. On l'a déjà allumé. C'est déjà nyarami, c'est déjà gâté. Vous êtes étonnés de Benoît là. Ils sont gâtés comme ça. Ils sont effrayés quand on dit cabri noir. Foutez la paix aux gens jamais là, quittez. Les gens de jamais là, quittez à côté des choses là-bas. Les non-réalistes là, allez à côté. Pourtant, mais elles font même cabri noir, la mère c'est petit. Elles prennent même cabri noir. Jumeau cabri noir. Jumeau, cabri noir, jumeau. Jumeau avec tête, corne courbée comme ça. Elles mettent ça devant les sociétés comme ça. Quand les camarades veulent rentrer devant la société nette là, cabri les comme ça. Matin, les camarades sont paralysés, elles sont à la maison là-bas. Elles sont assises dans les sociétés, dans les boîtes, dans les marchés, dans les grands marchés, les grandes places là. Elles ont fini de nyamroder les camarades. Petit amusement, Angola voulait faire un peu là pour aller faire un peu de choses là pour réveiller un peu son amour. Comme c'est une nyamroder là. C'est ça, c'est tout
Tout est n'y a mis d'amène de Golan là-bas. Debodo a tout vu là-bas. Que c'est Dieu même qui l'a dévoilé. Doit vous, Dieu vous dévoile pas. Vous, c'est pas vous, savez faire. Et puis, il faut savoir faire. C'est ça, c'est très important aussi. Il faut savoir faire. C'est pas tout, on montre comme ça, on voit le mal. Il doit pas tout voir, il voit quoi? Ah, c'est toi, tu vois pour lui et puis il va voir pour toi. Ah, N'Golo. Ah. Ah. Pourquoi tu fais ça? N'Golo. C'est pas tout, on montre. Tu as les tu sais, ceux-là, on voit ce qui. Ceux-là, tu sais ce qu'ils font aux gens? Ceux-là. Tu sais ce qu'ils nous font? Dans les portables? Dans les WhatsApp? Dans les fétiches, ceux-là, ils font fétiche. Ceux-là, ils vont chez Kamko pour nous basser. Ils nous bassent en esprit. Tu ne peux pas partir. Tu parles. Tu ne bouges pas. Tu ne sais pas. Rien, N'Golo. Oh, tu gâtes ton nom. Hein. Tu vas expliquer. Tu montres quoi? Hein? Venez me frapper. Les non-réalistes, là, venez me frapper. Ceux-là, ils nous bassent. Ils nous traumatisent, ils prennent notre argent. C'est là, toi, tu es assise là. Tu laisses ton portable. Tu laisses ton portable, on fouille dedans, puis on prend ton secret, on mène dehors. On t'attrape. Tu causes à autre personne, on t'attrape. Ils mènent le nom du gars là même comme ça. Ton affaire de ta vie de femme, là, ça est là comme ça. Pourquoi même? Pourquoi? Pourquoi même vous êtes... Pourquoi? Pourquoi même? Toi, tu connais ceux-là. Ils te prennent, ils prennent ta camarade, ils prennent ta meilleure amie. Au quartier, ils prennent les petites. Ils te trompent qui n'a pas de nom. Ils te critiquent encore. Où ils sont là, ils critiquent beaucoup les femmes. Ils sont critiqués les femmes. Mais les, souvent les parents, bien souvent, les, ils ont des amis, ils ont des groupes là-bas. Ils sont te critiqués là-bas. C'est toi, tu connais ceux-là. C'est à ceux-là, toi, tu laisses ton portable. Tu laisses ton portable, puis tous tes secrets de toi, tes copines et toi, vos petits trucs, vous êtes partis en train de faire vos petits amours, petits, allez consulter un peu vos petits trucs là, vos petits sacrifices peut-être pour décanter vos trucs là. Ça aussi, ils vont voir. Et puis, les grandes basseuses même, les basseuses publiques là, elles vont venir parler dans lui-même qui fait grands amours même, zamouteur même, t'es là. Peut-être où il est là, il est fatigué. C'est ça, il est assis, puis il a vomi salamande, et puis il est assis là. Il vomit salamande comment? Qui avait mis salamande dans son ventre et puis il a vomi là? Où il allait manger ça? Où il a mangé salamande et puis il a vomi ça. C'est là, toi, tu laisses ton portable. Portable, toi, tu sais qu'il a tes cheveux dedans, tu laisses là, il prend et puis il est là, il est en train d'exposer comme ça. Tu es trop, wa. Tu es gnata, hein. Tu es une grande gnata. C'est pas que tu es gnata même que tu es assise là, puis tu te réveilles matin à 6 heures, tu prends le téléphone, tu commences à pleurer. Tu es une grande gawaze. Tu es gawaze même, une soukopate. Tu nous as mis la honte comme ça, tu nous as infligé la honte. Forcé de arracher des forces. Arracher quoi de force? Une ignorante comme ça. On arrache quoi de force? Tu n'es pas positionné. Déjà, quand les choses ont commencé à se gâter là, déjà tu es en position. Tu connais ton élément. Tu sais que c'est un zinzin. Tu sais que Debodo qui est là, il est pas qu'il a la force, il est musclé. C'est un zinzin. Tu sais que s'il te secoue là, il peut tout arracher. Toi, tu n'as pas sécurisé les choses déjà. Tu sais que ça là, il y a tous les trucs dedans. Tu n'as pas sécurisé ça. Tu n'as pas sécurisé. C'est là-bas, tu laisses et puis il prend et puis il monte ton cul au dehors. Si tu dois refaire ta vie, on vient parler. Puis demain, les gens vont se méfier de toi pour dire que tu es une basseuse, mais tu es une N'Golo. Peut-être c'est qui t'a amené à aller faire tes trucs là. C'est Dieu qui a roulé. C'est pas toi, seul, tu as tes réalités là-bas. Stupide, psychopathe là. Hein? Tu m'énerves. Hein? Tu m'énerves. Hein? Tu me sors même. Tu me déranges même. Beaucoup. Tu me déranges beaucoup. Tu m'as fait mal même. Tu pleures. Tu te mets là comme ça et tu pleures matin. Et à moi cette folle là, tu pleures pourquoi? Quand tu as déjà fait enfant, tu as déjà poussé à la maternité, douleur d'accouchement là. C'est quoi qui n'est pas douleur d'accouchement? Il y a des femmes qui sont là, sont en pleurer matin, mais qui n'ont pas enfant. Tu connais la douleur de ça? Tu pleures. C'est parce qu'il m'a fait. Et puis c'est 9 ans de bête. Fallait crier au secours. Ah, 9 ans de bêteté. 9 ans de stupidité. 9 ans de folie. 9 ans de folle. Couché dans la maison comme une psychopathe là. Fallait crier comme ça. C'est maintenant tu sais qu'il fume Gregui.
C'est là que tu as venu dire, quand tu fumes tes trucs là, quand tu fumes, tu ne savais pas. S'il faisait ça là, tu sais, maintenant tu as venu dire ça. Fous la paix aux gens. Hein. Soukoupak, tu as laissé ton portable, ils ont pris, maintenant ils vont venir mettre ton cul dehors. Celui-là, on peut voir ce qu'ils font aux gens. Bon, le 14, n'oublions pas, le 14 août, le show de ma tante. C'est moi, ils vont placaler. Et ça, c'est mon son. D'où c'est pouce Boli, Madame Boli, ma soeur au Saint-Jessie. Je l'ai vu quelque part. La robe là, la petite est sous le poste. Bébé, tu veux la robe là? Faut voir, il y a le commentaire de... Je dirais... En un pays, oh mon, je veux entrer à l'ENA. Ah, mais rien. Ah, il y a tous. Personne.